Moi ça va. Et toi, comment ça va? Bon, moi ça va, peinard, merci. J'ai mon. Alors, le pire, je t'avouerai qu'avec les chaleurs, hein, on est début septembre, il y a des chaleurs pas possibles. Moi, je dors mal et je suis barbouillé à tous mes réveils depuis mardi. Enfin, depuis mercredi matin. Parce que c'est mardi que mon corps a décroché et résiste plus à la chaleur. Mais ça va, j'arrive à garder la forme, mais je fais en fait des très mauvaises nuits. C'est terrible quand même. C'est terrible. Mais Ouais, ça tu sais va, que ouais. moi, hier, ils avaient annoncé 32, 33, genre un petit peu moins, tu vois. Et Ce fut l'inverse. à 13h30, il faisait déjà 37. Oh la vache. Dur. Je sais pas combien il faisait en pleine chaleur, vraiment, genre vers 14h, 14h30, mais je pense qu'on ouais, on devait être pas loin des 40, hein. Ouais, c'est terrible quand même. Du coup, hier, ouais, j'ai pas streamé. Hein. J'ai fait, ouais, non, c'est bon, pas envie. Trop chaud. Tu m'étonnes. Alors attends, j'arrive même plus à réfléchir. Ça, c'est mon gros souci avec la chaleur. C'est que j'ai plus de concentration. C'est catastrophique. Entre autres Mais moi, symptômes c'est douloureux. pareil. Hein. Dès qu'il fait chaud, je suis amorphe. Ah oui, il faut que je lance le jeu, tu vois. J'arrivais pas à me convaincre qu'il faut que je lance le jeu alors que j'ai déjà lancé mon direct. Hop, rejoindre la Coucou partie. toi. Allez mes petites boules qui sortent du sol. Un petit peu d'eau, ça va vous faire du bien. Ça va vous rafraîchir. Alors, je tiens à prévenir mon public, comme le tien d'ailleurs, pour ceux qui passent éventuellement voir mon ralenti ou mon direct, pour vous dire que vous avez ma photo en bas à droite. Et oui, là, c'est délibéré, j'ai laissé débrancher la webcam pour deux raisons, même trois. La première, c'est que tous mes USB sont utilisés, je suis en mode boulot en fait. Comme je diffuse juste ce matin, j'ai un week-end pris, je suis juste Starborn avec grand plaisir avec Petit Seb ce matin. J'ai la webcam, ça ne valait pas le coup de que je me batte à libérer un USB. Je les garde tous utilisés avec mes disques et tous mes périphériques à bosser. Deux, il fait chaud, je suis liquéfié, je suis pas frais, donc voir ma tronche. Voilà, hein, c'est pas cool. Et voilà, 3, c'est-à-dire le fait que je diffuse que ce matin, le jeu valait pas la chandelle, que je me rebataille à tout remettre en place pour le direct. Donc merci de votre indulgence et de votre compréhension. Vous retrouverez ma frimousse en direct, véritablement en webcam, que samedi prochain. Voilà! Alors, merde, pourquoi le jungle game a fonctionné? Attends, j'ai l'impression qu'il m'a lancé deux fois Starbound, non? Attendez, minute papillon. Bah, je te vois plus en ligne. Ah merde! Ne me dis pas que t'as une coupure réseau, mon pauvre. Tu m'entends? Oh merde! Il a une coupure! Non, le pauvre petit Seb! Il a une coupure réseau. À moins que ce soit moi, mais. Non, j'ai un accès internet. Oh bah merde alors! Oh le pauvre petit Seb! Il a plus de jus! Ah bah c'est ballot! Bon bah. Ah, c'est ballot ballot là, c'est. Voilà. La 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 la. On a perdu petit chèvre. Il a été aspiré par un trou noir. Simuche. Oh merde. Ou alors il a une mise à jour dans la tronche, je sais pas mais. Là là, ce départ de fou furieux.
Je vous mets une musique interlude. Je sais tellement le boxon que... Oui, j'en rigole. Tiens, vous savez quoi? Je vais vous mettre le tableau mystère en attendant. Pour ceux qui veulent éventuellement jouer, allez-y. Oh, ça fait un montage dégueulasse. Non, j'ai honte. Je reviens en plan. Putain, sans la webcam, c'est horrible. Sans la webcam, c'est une catastrophe, mon habillage. Oh, le pauvre. Heureux. Aspiré par un trou noir. On va y arriver. Ah, c'est bon, moi, la journée m'a déjà saoulé, là. Oh, mon pauvre. Attends, j'attends que tu relances le serveur de ton côté paisiblement. Ah, il y a quelqu'un. Ah, Ledged qui se manifeste à moi. Bonjour, Ledged. Alors, clique pas là où il faut. Oh, mon Dieu. Je fais des bêtises. C'est relancé. Ah, c'est cool. Alors, allez, quelques petits soucis techniques. On pense pouvoir véritablement se lancer dans l'espace à 9h30. Enfin, pour 9h30. Même moi, je fais des mauvaises manips. Alors, rejoindre la partie. Voilà. Que je vois mon... la jet forcément atterré. Commander 3-7 mois de livraison, mais n'importe quoi. Jusqu'à une demi-année d'attente pour être livré du meuble. Ils attendent que l'arbre pousse avant de le découper. Sérieux? S'ils attendaient l'arbre, le sage, ça serait 3 à 7 ans. Oui, enfin, j'exagère, mais vous m'aurez compris. Non, mais attends, j'ai jamais entendu des tels délais aussi dingues. 3-7 mois de livraison pour un meuble. Alors, je suis pour l'écologie, hein, prendre le temps de privilégier par exemple le train ou le camion, par exemple, pour une livraison. Mais de là à dire au client, attendez une demi-année avant qu'on puisse vous servir, je finis par me poser des questions. Bon, je devrais pouvoir te rejoindre, mon cher petit Seb. Ah, mon Dieu! Là, là. Ah, il y a une chose que j'ai pas faite ce matin, sortie de la douche, et c'est pas bien. C'est que j'ai pas nettoyé mes carreaux de lunettes qui sont dégueux. C'est honteux. Surtout que j'ai fait un peu de ménage. J'ai eu le temps, à mon grand bonheur, d'avoir une petite demi-heure ménage. Et du coup, j'ai plein de merdouilles de Burke. Pas bien. Attendez, le temps que le jeu se charge. Ah, je me vois dans mon vaisseau. Ah, une merdouille qui tient sur le carreau de lunettes. Ça va troubler ma vue. Voilà. Ouf, je vois beaucoup mieux. Alors, petit Seb, would you like to join their party? Zep. Oh, la petite poule, le cyberpoule qui m'a pondu une pile. Ah! Alors, attends, je vais couper ma zik, moi. Parce que je mettais une musique d'attente. Voilà, qu'on se retrouve dans l'ambiance du jeu. Alors, programme du jour, s'il te plaît, petit Seb, dis-nous tout. Alors que j'admire encore ma robe de mariée avec tout mon équipage avec. Défoncer le boss à tentacules. Ah, yalla. Petit Seb. Totalement. Alors là, en plus, je suis bien vénère, donc. Pour être violent. Il va pas tâter toute la galaxie, petit Seb. Youhou. Bah non, pas toute. Je veux pas te patater, toi. Ni même la Terre, qu'avec un peu de chance, on va retrouver. Après avoir pataté le Kraken de l'espace. Oh, je me joins à côté de toi. Ah! Alors, on fait de l'agriculture, monsieur? Ah, oh, c'est beau chez vous, c'est ensoleillé. C'est la banane, c'est la... Qui c'est? Ah, c'est la limite. Symbolique. Ah! Mais qui j'y veux? Il est fou. J'attrape des insectes. Pas le droit? Oh mon Dieu, moi je t'ai vu avec une masse en main, ça fait peur. C'était un filet à papillon, alors. Ouais. C'est ce que je jouais. Oh, le bordel chez Petit Seb. Oh, trop classe, les coupes. C'est les coupes que t'as auprès de Nourou. Après avoir fait ses arènes de combat. C'est les... Ouais. Faudra que je les fasse. Nourou. Oh, t'as un mob rare. T'as une Pokéball? Non.
Parce que t'as un mob rare là, tu vois, c'est Ouais, je sais. la C'est version le là. mob de base en rare. Oula, la Jet qui dit au niveau commerce et inflation, l'aspirateur laveur que je voulais prendre a augmenté de 100 euros en 2 semaines. Amazon de bip. Eh ouais, le commerce c'est terrible. Enfin bref, on est là pour positiver, changer les idées, donc voilà, je ne parlerai moi-même pas de l'inflation, c'est horrible. C'est affreux. Ouais. Il se moque de nous. Bah, se moquer de nous, oui et non, mais bref. En fait, j'étais parti sur une chanson, je sais plus d'où c'est tiré, c'était dans un Disney, je crois. Ça doit être dans le Roi Lion, je crois, d'ailleurs. Moi, je suis un échauffement, je suis en train de courir à la surface de ta planète et je suis en train de patater les petits mobs. À l'épée. Entraînement. D'ailleurs, je suis débile parce que j'ai déclaré 2 fois le. Ah non! Le bouclier est différent, pourquoi? Ah non, faut que je garde le bouclier à fleurs, il est plus performant. Putain, mais je suis fou, moi. Attends, j'ai fait des choix trop bizarres. Oh là là! Oh là là! Puis il faut que j'ange des trucs dans mon vaisseau. Attends, je suis pas prêt pour le combat. Bon, je vais continuer, dit la Jet, de finir mon bureau. Ah bah, bon ménage et bon secrétariat, on va dire. À toi, la Jet. J'avais un truc à te filer en plus. Oh. Je devrais peut-être pas mettre les objets là, moi. Oui. Ah bah si, j'en ai une de coupe. J'avais gagné un premier combat avec. Une boisson populaire glitch. C'est une boisson énergisante. À base de d'huile de C'est. vidange recyclée. Attends, moi je réfléchis. Évidemment, j'ai déjà rangé des trucs là où il fallait pas. Tout va bien. Là, là, là. C'est pas comme si j'avais rangé mon boxon hors antenne pendant 2 heures précédemment. Et moi, je remets déjà le boxon. Nope. C'est pas ça qu'il faut faire. Chac, ouais, on va dire que j'ai l'essentiel. Est-ce que je sors enfin les plus gros bandages? Parce que depuis le début du jeu, j'ai utilisé que les plus petits. Ah oui, sort les plus gros, on résiste. Parce que là, je pense que ça va être le grand final. À moins d'une bonne surprise scénaristique où on se rend compte que il y a encore autre chose à faire. Ce qui, je t'avouerai, m'arrangerait, parce que ça ferait durer le plaisir, on aura encore des épisodes à tourner, mais bon, ça Ah ne tient qu'à moi. bah oui, non, bon, moi je vais continuer de toute façon parce qu'il faut que je fasse finalement que je réussisse à faire cette base aussi. Ouais. Hein. Ta station Que j'attrape orbitale. tous les Pokémon. Ouais. Donc. Ah oui, la station orbitale. Si on bat le boss assez vite, je m'occupe de la station orbitale. Je dirais même Et. un. Oui. Ouais, vas-y. Un épisode spécial, stratosphère d'une planète. Souviens-toi l'épisode précédent où je t'ai dit on essaie d'atteindre le plafond d'une planète. Bah, il y en a des choses Oui. là-dedans. Dont peut-être tes Pokémon rares. Il y aurait des créatures qui exceptionnellement sont Ah bah, en orbite étant donné basse. que dans le codex tu peux référencer toutes les créatures et qu'il y en a dans l'espace des planètes, oui, il y va falloir de toute façon. Cher Et je pense que ça va Mokolai. pas être évident parce qu'elles sont volantes pour les avoir. Oui, ça va être Je pense fort. qu'on va avoir besoin de monter sur le haut d'une planète. Je pense que sur le haut de toutes les planètes, ça sera pareil, parce que c'est des créatures interstellaires. Enfin, plus ou moins pareil. Et il va falloir faire des plateformes en fait en hauteur. Pour s'amuser à les capturer en fait. Oui. Putain, j'ai plein de bouffe sur moi qui sont encore. C'est encore du frais. Donc. J'ai envie de te dire, je suis prêt pour le combat là. Gros pack de soins, c'est bon. La bouffe, je vais remanger un truc, ça me met de full. Ah, pas tout à fait. Allez, on part en découdre, on est fou. Pour rejoindre l'ami Nova de l'espace devant le grand portail, c'est Ah! ça? Comment ça? Ah. En fait, tu t'es TP sur moi au moment où je me TP sur toi.
Ah, donc il s'est passé quelque chose de bizarre. T'es arrivé chez Bah moi, donc je suis arrivé à ton téléporteur et toi t'es arrivé au mien. Oh, mon Non? Dieu. Ah non, non, ah non. Je suis arrivé à ton téléporteur et toi t'es arrivé au tien ici, d'accord. Oui. Bon, il y en a qu'un, mais si jamais ça t'aide à finir un truc, Oh, Missy, c'est hein, allez aussi. généreux. Oh, Mickey. Je t'avais dit, moi, c'est du truc là, je suis full, donc j'en ai plus besoin. Oui, je me souviens, tu m'avais dit ça. Ah, oh, mon Dieu. Bon, on va voir la Mamie Nova de l'espace. Tout à fait. La Mamie Nova de l'espace. La 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 la. Et là, tout le monde me fait une haie d'honneur dans la station intergalactique. Vive la mariée! Ouais! Ce serait n'importe. Nous, loup! Nous, loup! Et puis il y a Alors. toujours l'autre qu'on lui a pas apporté son objet là, le chercheur. Oui, il y a plein de quêtes, ouais. Tu m'étonnes. Oh bah, de ruines, c'est parti. Alors, I'm here whenever you need me, dear, especially if you like mind humbug. Les roués. Oh mon Dieu! Serait-ce le combat final? Oh! La structure s'apparente à être une planète. En fait, c'est un énorme organisme vivant. Oui, bah c'est ça, c'est le Kraken de l'espace. Il est tellement énorme qu'il est une planète, en fait. Replié sur lui-même. Ouais, je veux des graines d'arbre. Oh là là. Non, non, on peut pas. Tristesse. Et puis en flingue, je préviens, j'ai que mon... Enfin, que... J'ai en corps à corps, j'ai mon épée, mon bouclier. Mais en distance, Il j'ai y a mon des flingue. créatures cheloues, hein. Yeux de l'enfer. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah, tu crois qu'on pourra échantillonner en laboratoire le tentacule, le cluster? Putain, y a des... En fait, ce qu'elle suit par les pores de sa peau, la créature, c'est du... C'est de C'est quoi l'acide. ça? Oui, c'est bizarre le truc à trois boules, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oui, effectivement, c'est étrange. Il y en a d'autres. Alors attends, moi, et en plus, il faut que je révise mes touches. Ah, la bonne blague. Oui, j'aurais peut-être dû préparer une barre de bouffe, moi. Ça peut aider. Je pense que je sais ce que c'est. Je t'écoute. Quelles sont tes théories? C'est des petites créatures pacifiques. Ah bon? Oui, regarde. Allez, trois. D'accord, ok. Du coup, il y en a une qui s'est échappée. Attends, moi, je me prépare une boule, une barre d'action, la secondaire intégrale en bouffe, pour être sûr de pas me faire Ah, mais il y a du poison partout. avoir. I got the poison, I got the remedy. Da-da-da-di-da-da-di-da-da-di-da-di. Hommage à The Prodigy. Oh mon Dieu! Oui, mais non, mais on peut même pas. Oh là là, il faut siphonner là. Je sais même pas si mon tir est utile. Non, mais il faut carrément vider l'acide. T'inquiète pas, c'est passé. Ouais, mais t'y allais au forcing, je t'ai entendu gémir. De quoi tu parles? Oh là là! J'ai libéré des cochonneries en faisant ça. Oh le C'est de bordel! la vigne? C'est de rien du tout. Ah ouais, non, mais moi je suis obligé d'aller dans la... Aïe! C'est moi qui arrive doucement! C'est étrange, il faut aller en son cœur, en son sein. Tu crois tout au fond du tout? Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. On peut créer un truc en surface? C'est possible, hein? Puis on lui rentre dans une narine, et puis... Regarde le décor de fond, parfois il y a des énormes cratères, visiblement. Je sens que la bouffe va s'épuiser à une vitesse de malade. Ah, oh mon dieu. Non mais c'est mission impossible ce truc, c'est pas possible. On est obligé d'y aller tout doucement parce que vraiment c'est tout n'est que piège en fait. C'est ça qui est horrible. Incroyable. Le kraken qui sue de l'acide. Oh, le monstre de la taille d'une planète. Tiens, pour faire le lien avec la réalité et l'espace, il y a deux astronomes japonais qui auraient découvert une planète semblable à la nôtre, si je me souviens bien, à 500 années-lumière de nous. Et ce qui est étrange, c'est que cette, on va dire cette planète Terre bis potentielle serait déjà d'une masse trois fois plus importante que la nôtre. Mais étant loin d'une étoile, elle est congelée, si tu veux. Il faudrait la décongeler pour que la vie redevienne viable dessus. Mais c'est troublant quand même comme observation spatiale. Enfin bon. Ne me dis pas que je t'ai reperdu, petit Seb. Tu sembles rester sans voix. Non, 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 je suis là. T'es concentré. Concentré parce que t'as tellement des ennemis qui sortent dans tous les sens, là, que... Mmh. Tu as deux doigts de crever en permanence. Bah oui, c'est... Je sens que le monstre tentaculaire va nous en faire voir de toutes les couleurs. Je sens qu'il va être moins chiant que tous les petits mobs qu'il y a sur sa planète, là. Et notre objectif, hein, textuellement, c'est détruire les ruines, hein, donc détruire le Kraken de l'espace. Quel gabarit d'une planète, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Merde, j'ai une bestiole qui vient m'enquiquiner. J'aurais dû poser une torche à l'entrée parce que du coup je sais pas si on a fait le tour ou pas. Moi je préfère, dit la Jed, les planètes qui ont presque du diamant dessus. Planète bling bling ou quoi? Oh là 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 là. Oh mon dieu. Il y a de l'acide encore qui refait surface. Non mais c'est fou. Ah. Terrifiant. Elles sont moins rares qu'on pense dans l'univers. Ouais, bah ouais. Je pense que j'ai déjà fait le tour de la planète. Oui. Moi, je suis comme un hibou à vider tous les bassins au possible de seed. Je suis quasiment sûr que l'endroit où je suis, c'était le début. Bah, tu vas vite me rejoindre à nouveau sur la montagne. Donc, s'il n'y a rien en surface, ça veut dire que pour le trucider, il faudrait peut-être atteindre son cœur, son noyau. C'est ça, ouais. Il y a peut-être un truc organique en fait à la place du noyau et c'est là où on va vraiment lui faire mal. Moi, ce qui me ferait rire, j'émets une théorie. C'est-à-dire qu'en surface, il a de l'acide. Mais nous, si on arrive avec un inventaire plein de lave et qu'on lâche le magma, parce qu'on peut le faire, on le crame de l'intérieur, le kraken de l'espace, on le fait horriblement souffrir. En balançant du magma bien bouillant dans ses artères. La violence ultime. Hop là. Putain, y a de ces monstres qui vivent dans l'acide. C'est un concept. Waouh, la nuit de bestiole. Alors attends, hop.
foncé. Oh. Je me suis retrouvé avec une vingtaine de mouches sur la gueule, là. Non, c'est insane, hein. Et tu es toujours convaincu que t'as fait le tour de la planète? Parce que je t'ai pas vu rejoindre. J'ai fait le tour, mais après, je suis pas arrivé à te rejoindre. Ah oui, parce que t'as couru tellement comme un fou furieux que c'est pour ça que t'avais un essaim qui te poursuivait, c'est ça? Le problème, c'est que, tu vois, mon lance-roquette, il est bien, mais tirer une roquette toutes les 3-4 secondes, c'est mort, quoi. J'arrive à tuer personne. Après, je l'ai one-shot, hein, ça c'est sûr. Mais... si je teste avec ça, là... De toute façon, c'est simple, à l'endroit où je pense que qu'était le début, j'ai mis deux torches. D'accord. Donc là, quand je vais me TP, si je vois les deux torches plus ou moins loin de moi, c'est que j'ai fait le tour. Oh. Okidoki. Oh, y a des créatures vivantes, ça fait grave flipper. Ah mais je suis bête, je peux vider le truc en pétant le fond. Bon, en même temps, c'est un peu idiot parce que je perds la ressource de l'acide, mais... Il y a tellement de planètes où il y a des océans complets pour faire des piles et des batteries. Alors, je vais remanger un truc pour être plein de vie. Hop, je rebats les cartes, si je puis dire, au niveau de mon inventaire de bouffe. Hop là. Moi j'aime bien l'idée. Oh, c'est bon, je suis full bouffe. Hein. J'aime bien l'idée d'un boss. Qui se bastonne pas de la manière habituelle, mais qu'il faut stratégiquement et lentement faire agonir. J'aime beaucoup l'idée. Pas convaincu. Toi, t'es pas convaincu? Ah mince. Non, je pense qu'on va trouver une salle quelque part où il faudra lui bastonner son œil ou son cœur ou un truc comme ça. Ouais, les deux torches sont bien au bon endroit, donc j'avais bien fait le tour de la planète. Putain, la vache, comme tu dis, y'a de ces essaims. Waouh, tu t'y attends pas, ils arrivent subitement et... Ah, puis pas qu'un peu. Oula, y'a un émetteur, c'est pas possible, je suis à côté d'un émetteur. Ouais, c'est les petites boules vertes, là, avec des yeux, là. C'est elles qui font les... Attends. Les essaims. Attends, je ne cesse de tirer comme un mabou là, on perd toute mon énergie parce que. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Ah ouais! Ce seraient des trucs qui pendus au plafond qui généraient les. En fait, c'est. Ouais, c'est des essaims suspendus. Ah non, ça. Je sais pas, je vois des choses bizarres. Oui, il y a Christa qui nous pose la question, comment allons-nous? Alors moi, ça va, à part que je souffre de la chaleur, mais bon, je m'adapte, c'est pour ça que publiquement, il n'y a pas de caméra aujourd'hui. Hein. Mais j'espère que tu vas bien, Christella. Ah, mais je crois que j'ai trouvé la... Là. Tu as trouvé quoi? L'endroit où il faut descendre, mais attends, je suis à... Oula, la gélatine qui est en train de s'effondrer. Oh mon dieu. Ah, bah ça m'arrange du coup, il y a un écoulement d'acide au plus profond de la bête. La bête! Nous sommes sur le kraken de l'espace, c'est flippant. Oh là 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 là, c'est un gros ennemi couillu là, ça fait flipper. Ça va, heureusement, les nuits et les matins sont frais. Ouais, bah oui. Ah oui, j'étais passé par là, quand il y avait encore du... de l'acide, ouais. Quand il y avait encore de l'acide. L'acide que je suis en train de vider. Bassin après bassin. Merde, alors que je me douche dedans comme un abruti. J'ai mis les pieds en plein dedans. Qu'est-ce que... Oh mon dieu! C'était toi. Mais t'as pas avancé là. Mais je vide tout doucement les bassins d'acide en surface. Ouais, faut les vider comme ça, ça va oh, plus vite. Il se bouge dedans, il est fou. Oh mon dieu. Et que fait-il? Sorti la mitraillette. Bah oui.
Oh non, c'est pas vrai, il y en a encore. Saleté de cause de chonnerie de saleté. Ce qui pourrait nous avoir à l'usure, les vilains. Les vilains. Regardons l'inventaire. Pas commun. Bah oui, tu m'étonnes que cette matière est pas commune. Ah oui, d'ailleurs, quand on pète un petit tentacule qui a la logique d'un arbre, du coup. Ah non, mais on récolte rien en fait. Ouais. Ah. Ah. Cochonnerie. Ah. Où est l'émetteur de la... Gris. Que je le trucide. Oula, il y a trop d'acide ici. Oulalalalalala. Attends, je vais essayer de faire une descente stratégique. Pourquoi tu sautes pas par-dessus? Parce que moi, moins agile et habile que toi. Et moi, vouloir faire une approche, on va dire, posée, calculée, pour assurer nos arrières, en quelque sorte. Bon, de ce que j'ai cru voir, il n'y a que trois types de petites créatures pacifiques. Là. Oh. Sur la planète. J'ai planète. Dans le dessus. Alors j'aimerais trouver une cavité inférieure vide pour provoquer l'écoulement de la... Ah. Oh merde. Oula, ici ça va être la guerre. Oh là 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 là, il y a de ces trucs. Putain mais c'est du délire. Ah oui, bon, bonjour Claire Shinobi. Oui, oui, effectivement je vais reboire un coup, merci. Même si vous ne me voyez pas avec la caméra. Mais merci effectivement de m'inviter à siroter mon café au lait du matin. Je vois des choses, petit Seb. Ça fait c'est pour ça que je voulais pas qu'on descende, qu'on finisse le dessus là. Oui, 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 oui. Bah là, c'est les choses qu'on connaît déjà en surface, mais en nombre. Donc la progression va être très lente. Non, inquiète pas, un coup de bazooka, ça sera réglé. Oh l'autre. Là, tu me diras, c'est vrai que j'aurais ton bazooka. Quoique non, je m'en sors bien avec mes yeux. Mes yeux. Des enfers, là. Ouais, non, toi, tu t'en sortiras mieux avec ça que. Il vaut mieux une arme à tir rapide. Oui, et puis qui rebondit sur les côtés, ouais. Je fais un bon ménage, là. Enfin, correct. Bon, j'aurais aimé provoquer la chute de l'acide. Ah, c'est minutieux, hein. Je suis désolé, mais... Notre mission de la plus haute importance l'exige. La 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 la. Il y a des petits résidus gélatineux. Oh mon dieu. Ça doit être le derme du kraken de l'espace. Je ne saurais l'expliquer autrement. Ah, cochonnerie de saleté. Alors attendez voir. Que j'arrive à provoquer l'écoulement. D'accord, c'est une créature. C'était la créature. Ah, il y a déjà un truc qui va se vider. Mais ça suffit pas. Bah vas-y, allez hop, je creuse un trou ici tout droit et on verra bien sur quoi je tombe. Voilà. Alors vite, moi il va falloir que je bouge mon truc. Avec ce que tu veux. Mais attention. Ah! Les salopards, ils ripostent, ils sont venus me chercher dans ma planque. Bonjour Aerostar. Ah! Alors là, ils font moins les malins, là. Là, comment je leur ai retourné leur acide dans la tronche. Bon, tu me diras, ils évoluent naturellement dedans. Mais...
Ça fait je sais pas combien d'hectolitres en moins en surface. Alors. Oh merde! J'ai une cochonnerie qui vient m'attaquer. Ouf! Bonjour Torota! Enfin, moi je souffre un peu de la chaleur. Enfin, plus qu'un peu, pas mal d'ailleurs, depuis mardi en fait. Mais rien de grave, hein, soyez rassurés. Mais à part ça, ça va, merci. J'espère que vous aussi. Petit Seb, il va bien aussi dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ah, vite, barre de bouffe. Moi ouais, j'ai fait une espèce de descente, t'as intérêt d'y descendre en boule. Hein. Ah. Juste t'es prévenu. Ok. Oh là là, j'ai vu les machins fleurs qui volent, qui pondent les cochonneries. Ça va, j'arrive à les bastonner assez rapidement avant qu'elles démultiplient un essaim de... Ah bah tiens, il y en a un dessin en bas. Cochonnerie. Ah, les saletés! Puis elles viennent te chercher après, une vitesse. Faut surtout pas courir comme un dératé à la surface du Kraken, parce que il y a tellement de bestioles tous les 50 mètres que on se retrouve dans ta situation catastrophique où après t'as un essaim de 20 spécimens qui t'engloutissent. Alors, est-ce que je peux te provoquer une avalanche de gélatine? Ouais. Ah oui, si, quand même. J'ai un écoulement. J'ai un écoulement dans les profondeurs du Cracker. Ah, mon Dieu! Je vois des choses, petit Seb. L'écoulement gélatineux. Oh! Qui a fait barrage, et tant mieux, parce qu'il y avait une cochonnerie en contrebas. Ah bah, comme ça, une bonne chose de faite. Oh non! Il y a encore un bassin de la muerte d'acide. Ah, j'ai ma petite idée de comment... De comment parer le. De la jelly blob. La gélatine du Kraken. Dork. Qui veut du fais gaffe, la jelly blob, si c'est ce que je pense. Ouais, c'est un bloc qui tombe, qui s'écoule. Mmh. Oui, ça va vers le bas, oui. Ah. Oh! Oh. Ouh là là, j'en tombe à l'inverse là. Ouh là 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 là, mais ils sont combien les salopards? En gros, j'ai mon truc à. Ouah. Ah ouais, non, mais dans la série, c'est difficile d'avancer là, c'est un cauchemar. Là. Vite, tuez l'émetteur. Sinon, c'est lui qui va m'avoir. Dis-moi que j'ai. Ouais, j'ai tué l'émetteur. Ouf. Ah, il y en a encore, bordeloum. Ils m'ont buté. Wouah. Mais dur. Tu perds rien. Ouais, mais dur. Dur. La progression en surface, là... je finis même par me dire si je vais pas regarder dans mon vaisseau, si j'ai pas une autre arme. Faut que j'ai une autre approche. Oh, la pompe à pollen, je suis pas sûr que... Je peux toujours la prendre pour essayer, mais je sais pas si c'est une arme qui va être efficace sur le Kraken. Alors, j'ai l'arc. Ouais. J'ai le Regen. Les orbes de... Ouais. J'ai quoi d'autre comme arme? J'ai mon sacro-saint lance-flamme. Être pas mal. Alors fusil à pompe, effet flamme et lance-grenade peut être pas mal. C'est moi ou j'ai deux fois le même? Non, ils ont pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, voyons. Nous avons pas les mêmes voyeurs. Oui, bravo petit Seb. Mais bien sûr.
Ah là là, c'est à force de voir des yeux partout sur un, hein, et puis la peur de se faire tentaculer que tu dis ça. Ah, c'est l'énervement du matin, je dis conneries, encore pire que d'habitude. Allez, je suis fou, je me téléporte à tes côtés. Ouais. Ah mais il m'a remis le même truc. Il m'a redit mon ordinateur de bord de vaisseau comme quoi c'est un organisme vivant entier ayant la forme d'une planète. Enfin le gabarit d'une planète littéralement. Je sais pas ce que tu fais, moi je creuse tout droit et je fais un tunnel en fait oui, pour te protéger des mobs. Oui, 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 ne pas attirer les cochonneries, j'ai compris. Non, je te le dis pour ça. C'est... D'accord, oui, vraiment en fait je. Oui. Je teste la qualité de ton. La 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 la. Je teste, je teste. Ouais, bien petit Seb. Oui, un sol. La 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 la. Bidi 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 bidou chi bidi bidi yeah yeah. On peut dériver je crois. Ouais, ou sinon attends je vais aller voir. Il y a un vaste champ de... Quoi? J'arrive pas à traduire. Un vaste champ de... Quoi? Wow, en gros si j'ai compris mon ordinateur de bord, il dit qu'il y a des trucs fantomatiques. Un peu plus bas et que il va falloir s'habituer à mourir souvent. Ok. Oh, t'imagines le kraken en son sein, il a tu sais des créatures comme sur les lunes à essence. C'est le machin qui t'aspire et qui est imbattable, qu'il faut juste esquiver. Trolley-boule. J'aime pas ton. Dans le fond, je crois bien. Pourquoi ça descend pas plus bas? Ouais, mieux. Bah, mets-toi à l'abri, puis je passe, moi, en mode glu. Oh! Pourquoi j'entends bip bip bip? C'est moi qui ai faim. Ah bon? Oh oh. Attends, je vais regarder si... Ah ouais, non, je... Je vois pas aller plus bas. Ouais. J'essaie de voir si j'observe quelque chose, mais non. Oui, vas-y, moi je reste sur le bord extérieur, je prends le gros risque. Tu gères très bien, petit Seb, bravo. T'es un chef. Oh mon dieu. Ah! J'ai été fusillé. Non, il y a encore un fond, petit Seb. J'ai vu comme une structure en cerveau. Ça, mais je m'en doutais, mais faut l'atteindre sans se faire massacrer, quoi. Bien vu, petit Seb. Ah, mon dieu. Ouais, fais gaffe. Qui, oui. Bah, en fait, t'as spawn juste au moment où j'allais... Ah, j'ai touché le fond sans me faire trop mal. Enfin, sans mourir. Quoi? Ah, j'ai pas le droit de mettre des torches puisque c'est un niveau boss. Est-ce que j'ai le droit d'extraire de la matière? Non. On peut pas interagir avec le cerveau du Kraken. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il tire dessus? Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Moi, c'est pareil là. Je peux plus rien, je peux plus Ah, t'es plus en droit d'éditer le, ouais, les lieux, ouais. Oui, t'as sauté, ouais. Je t'accompagne, petit chef. C'est le combat de notre Non, vie. Pas là-bas. Bah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on marche sur le cerveau du Kraken. Et moi aussi. À moins que ce soit ses intestins, mais je sais pas. Pour ça que... Oh. Aïe. Aïe. Oh!
C'est son cœur. Il faut détruire son cœur. Ah. Mais si t'avais prévenu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais... mais... enfin, elle, je crois que c'est une fille en plus. Enfin, tu sais que tu me fais pas mal, mec, en fait. Les ruines, quoi? Les ruines vont se réveiller. Oh! Ah, et tu sais, je t'avais dit soit le cœur, soit l'œil, c'est les deux en même temps! Oh la vache, j'ai failli y passer. D'ailleurs, je vais pas tarder, à mon avis. Oh merde, et puis il génère des petites cochonneries. Alors, j'essaie de gérer les petites cochonneries, et toi, t'essaies de gérer le. Garde-toi du milieu. Oh oh, trop tard. Oh la vache, la puissance du laser, toi. Attends, je te rejoins dans la bataille, évidemment, dès que je peux. Oh, j'ai la lutte au final. Ah. On va tous se faire tentaculer. Wow, il génère des créatures au hasard. De n'importe quelle planète. Oui. C'est du délire. Attends, moi je meurs comme un caca, mais alors quelque chose de bien. Tiens, j'ai envie de faire quelque chose de très prétentieux. Ah oui, mais avec les créatures volantes, je pourrais pas. Attends. Est-ce qu'il y a un plafond? Attends, je me mets en boule collante et je regarde où ça va. Oh, tu lui fais mal. Oh, c'est beau. Hop, 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 je fais moins mal aux créatures qui est invoquée. Ah, parce que là, c'est des grosses. C'est beau et effrayant à la fois. On voit le cœur du boss. Là, c'est posé. Ah oui, c'est... Attends, j'essaie de faire de mon mieux, mais... Écarte-toi, 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 écarte-toi. Tu vois, quand il fait ses petits traits, là, lumière rose au sol, c'est qu'il va... C'est qu'il va... Là, reviens vite. Attends, moi, j'ai des saloperies... Viens, encore. Oui, mais il y a des saloperies qui apparaissent sur les côtés, et puis maintenant, il faut des coups de tentacules sur les côtés. Aïe. Mais c'est pour ça que je te disais de t'éloigner. Ouais. Et de revenir au milieu. Ouais. Tiens, ma chérie, fais oh non, pas ces créatures là. On va tous y rester. Aïe. Oh, j'aime pas ces mobs. Ah, écarte-toi, il va faire sa tentacule là-bas. Oh là 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 là. Bon, il a fini de nous... Là, non, il n'a pas fini. Ah, ça va être l'énergie du centre, maintenant. Hey, tu gères vachement bien, petit Seb. Tiens, chef. Aïe. Moi, je gère très mal. Je suis un noob. J'ai pris l'armure avec le plus... Hey, j'ai pris l'armure ultime avec le plus de dégâts aussi. Hein. C'est pour bravo, ça que... bravo. Oui, moi, je suis pas prêt, je sais. Je me suis fait... J'aurais dû regarder pour faire une potion d'endurance. Ah. Mmh. Endurance. Parce que là, c'est vraiment l'endurance qui va me manquer pour le... Je pense que ça va devenir moins drôle quand j'aurai atteint la moitié. Oui, je pense aussi. J'essaie de t'aider modestement. Merde, j'ai plus d'énergie. Oh non, ça c'est cochonnerie. Aïe. Merde, j'ai plus d'énergie, vite. Aïe. Le problème, c'est que c'est des mobs de poison et... Aïe. Mitraillette et poison. Résiste, hein, moi je le fais exploser 10 fois. Allez, c'est reparti. Wouh, je réapparais la parabole.
J'ai été reboulonné. Ah! Je viens de me refaire tentaculer dès mon arrivée. Oh yeah. Oh, des mobs de planète volcanique, fais gaffe. Oh, oh, j'ai mis une barre. Hein. Ah, ça m'a fait peur. Tout me fait peur, petit chef, au secours. Oula, 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 oula. Papa. Wow. Large là, wow, 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 wow. On va se calmer. Ça pullule de vie en fait. C'est ça qui fait. J'adore comment tu résistes, t'es trop fort. Oh oh, ça c'est pour moi. Aïe. Oh, j'ai un crash du jeu. J'ai kiki là où il fallait. Pas dans le champagne. Attendez. Résiste, petit chèvre, résiste. Oula merde, pas où s'en prend, ça je vais pas bon. Non mais j'ai l'air d'un amateur à côté de toi, c'est incroyable. Aïe. Ouais, mais moi je suis concentré à 2000%, hein. Là oui, c'est mort, reste, je regarde reste, pas reste, le salut héros. C'est bien, mais toute ta rage de la semaine dans le combat, tu es trop fort. Non mais on est parti pour l'avoir du premier coup grâce à toi. C'est dégueulasse ce qu'il est en train de me faire. Oh, des mobs que je connais pas. Oui bah je... T'as pas vu votre planète à vous encore? Eh bah ça veut dire qu'on a encore plein de planètes de l'univers à exploiter, explorer, enfin... Écarte-toi de l'autre côté, il y a la tentacule qui va arriver. Aïe. Vite, énergie. Comment il va, maître? Il vous décale toi. Ah, puis tiens, tu qui nous a pris là, c'est moi ou. Je suis trop tout derrière. Bouh, vilain, bouh. Allez, on génère des moustiques là. Ah, mais c'est ça qui m'a tué tout à l'heure, moi j'en avais une vingtaine sur la gueule. J'essaie de l'éviter, j'essaie. Ah, monstre du cristal. Oh. Oui, ils sont durs comme du cristal, effectivement. Du coup, j'arrive pas à aller. Ah, les tentacules de l'autre côté. Vilain tentaculos. Le Kraken ultime dans l'espace. Ouais, va mourir. Oh oh, son rayon d'énergie. Non, mais. Il va mourir le machin. Ah, on essaie de faire un truc. Allez, petit chef. Allez. Attends, tu dures pas dessus, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah trop tard. Oh, fais la gaffe. La structure est instable. Ah. Mais oui, mais se barrer par où? Par où? Ah. Oh, mon Dieu. Ah, il avait la taille quand même d'un planétoïde. Oh oh. GG, petit Seb, tu es trop fort. Ça ne peut pas être. Oh, cette musique magistrale. On se croirait au cinéma. Protector, do not follow the mere sound of those that came before you. I'm on you. Driven, I second at the Tujarin. When we found, I shed a red rock about it to near infinite pieces. Much was simply lost. True fragment myself, ancient and wide, broke away and become something new. What's left of myself remains stay to watch what I had left behind.
You united my artifacts, Protector. The six race ye gifted now stand as one. You have planted a seed of peace that will grow and spread throughout this vast universe. The ring is destroyed, the universe is saved, but there is still so much to do. And now, to you, I give my final gift, the last of myself. Return, Protector, live again. Oh, le générique de fin, GG! C'est beau! Ah non, mais tu as super bien combattu! T'as été héroïque, hein! Moi, je me suis fait tentaculer 15-20 fois. Ah, je suis pas mort une seule fois, moi. Énorme! Comment tu l'as géré? Jamais vu ça! Moi aussi, j'ai jamais vu le générique de fin. Hein. J'avais pas fait je m'étais non, arrêté je parlais à mon solo. De l'image, parce qu'il te montre des petites images du jeu et la structure souterraine avec deux coffres, jamais vu. Ouais, non, il y a encore plein de trucs à découvrir dans l'univers. C'est cool ça, ouais, faire plusieurs épisodes relax. Comme tout est généré aléatoirement. Oh la vache! T'as vu le monde qui a bossé sur le jeu? Ils font carrément des chapitres par lettres alphabétiques. Parce qu'ils ont eu un grand nombre de testeurs aussi. Ah ouais, mais c'est beau. Du coup, il y a 2000 personnes qui ont bossé sur le jeu. C'est énorme. Ah oh mon dieu. Le mec qui fait un feu d'artifice. Oui, on peut en acheter des feux d'artifice. Et toi, t'as bouffé sur une lune. Oh l'hôte, comment qu'il fait un dîner galant avec nous l'hôte. Ah oh, ça va, tranquille. Fais gaffe mec, le sage il va être jaloux. Ah, il va t'égorger dans ton sommeil. Ah ouais, complètement. C'est moi qui rêvais de la tentaculée, vous n'avez rien entendu. La photo finale avec nous dessus, c'est trop cool. Merci pour les GG. Ouais, Noulou, Noulou. Eh bah dis donc, ah non mais bravo petit Seb là, franchement, waouh. Ouais, faut qu'on retourne voir les autres. Alors attends, sauf erreur de ma part, ah oui c'est après qu'on va voir le succès Steam à mon avis, parce que là ce que t'as fait c'est énorme. On a fini simplement le jeu. Bah d'avoir le Kraken de l'espace, on lui a claqué la tronche, enfin surtout toi. Bah je pense qu'on l'a eu le succès, non? Non, je pense qu'on va l'avoir en parlant à Maminova. C'est ça, il faut parler à Maminova. Le protecteur met en défaite les ruines. Et t'as vu le sac qu'elle nous donne en cadeau, il est pas marron comme les autres. Exact, il est argenté, voire... Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oula, doucement. À ce point. Allez, à mon tour. Upgrade module, téléporteur corps, tech card. Une carte de remerciement. Une carte de remerciement, ouais. Vous êtes congédié. C'est un bouquin. Ah, oh. Moi, j'ai gagné un lasso. T'as un lasso, toi aussi? Non. Oh, je vais pouvoir faire mon achèvement. Oh. Non, moi j'ai eu ça là que je te balance parce que j'en ai plus besoin. Ah, merci. J'ai eu des modules d'amélioration pour le vaisseau, j'ai eu la carte de remerciement, j'ai eu un cœur de téléporteur. T'aimes ça, Nalop? Ah, ça parle mal. C'est chouette, Maminova dans le dos. Alors, cette démange vilaine. T'as lu le texte de la carte de remerciement? Pas du tout. Attends. En fait, il est signé par tous les gars qui t'ont filé les... Quoi? Les gemmes. Oh! Mais oui! Mais c'est trop mignon! Attends, et le final, regarde la dernière page, c'est signé par les auteurs du jeu aussi. Attends. Merci d'avoir sauvé l'univers. Oh, un beau compliment de la part de Noulou.
Tu es le second meilleur chasseur que je connaisse. Évidemment, elle, c'est la meilleure. Ouais. Alors, thank you for saving the universe. We hope you enjoy the carbon every bit and much more making it. The universe is free for you to explore self-travelers. Yeah. Bah ouais, c'est sympa là. Oui, en gros, ils disent, j'espère, alors, bon, oui, merci d'avoir sauvé l'univers. Nous espérons que vous avez eu plaisir à jouer à Starbound autant que nous avons plaisir à le créer. L'univers est maintenant, vous êtes offert à l'exploration et voyager avec prudence. C'est ça qu'ils disent. Voilà. L'équipe de Chuck Lefish Games, l'équipe de création. C'est trop fort. GG. Oh là 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 là. Oh là là, ah puis il propose des quêtes et tout. Waouh. Hein ? Qui est-ce qui propose des quêtes ? L'homme de la bibliothèque, les hommes poissons là. Le grand là, à trois yeux là. Ah oui, mais la quête on l'a depuis un moment. Ouais, non mais j'avais pas fait attention, tu vois, jusqu'à là. Mais j'ai alors là j'ai un grand sarcophage. Ah, parce qu'on peut retourner dans les ruines ? Non. Bah oui, parce que comme ça tu peux t'amuser à refaire le boss comme toutes les autres missions en fait. Ah, je suis con, mais oui, ok. Et puis du coup tu peux t'amuser à capturer les créatures qui sont là-bas. Ah, toi tu y retourneras pour compléter ta collection de Pokémon. Bah j'ai capturé tous les pacifistes. Deux fois. Ouais, et du coup ça veut dire que on a une source infinie de... Pas infini, d'acide, comme si on n'avait pas assez des planètes avec des océans complets d'acide. Oh, il y a une nouvelle quête là. Ah bon? Donc moi je vais ouvrir l'ordinateur de bord. Il y a un gars à l'outpost qui te disait tu n'es pas encore prêt, reviens me voir plus tard. Ah oui, le mec en tenue noire là, des ténèbres. Ouais. Attends, je me téléporte à côté de toi. Oh, les anciennes portes, il nous vend les clés pour... Allez, reviens. Ah oui. Oui. Ah, par contre, il faut... Du Refine Ferrosium, moi, 40. 10 corchets de corps pour avoir une... Alors, moi, tu sais quoi? Je vais aller dans mon vaisseau chercher une de ces portes dans un des systèmes solaires. Tu sais qu'on en essaye une. Non, mais moi j'ai pas de clé. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais il faut déjà en localiser une. Oh, mais moi j'en ai croisé plusieurs. Hein. Suffit que je revérifie sur les systèmes solaires sur lesquels je suis passé. Bah, c'est simple. Dans celui dans lequel je suis, il y en a une. Bah, voilà. Donc, tu vois, voilà. Je vais me mettre en orbite. Je vais voir si j'ai de quoi acheter une clé. Et on. Parce que toi, il te le vendait aussi contre du ferrosium ou pas? Il me le vend contre 10 éléments de lave. Je sais plus comment. Ah, les scorchés de corps. C'est ça. Il en faut 10. Et j'ai l'impression que j'en ai aucun. Comment c'est possible? Ah bon? J'en ai aucun. Ah merde. Attends. Ah oui, c'est gênant. À moins que t'en aies 10 toi, mais... Bah, c'est ce que je vais voir. Faut que je me TP à la base. Et toi, c'était quoi son marché avec toi? 40 minerais bleus là, mais j'ai pas assez, j'ai de quoi en faire 9, c'est tout. 40 minerais bleus, alors si vous pouvez mettre un nom. Le ferrosium. Ah, du ferrosium. Alors, j'ai des scorchés de corps. J'en ai 8. Ouais, mais c'est bien, c'est un bon début. Du ferrosium, il t'en emmenait 40. Ouais. Ah, mais j'ai pas le niveau, moi j'ai pas commencé à creuser ça, je crois. Ah bah ce sera pour la semaine prochaine. T'as à faire durer le plaisir. Bah c'est bien. Attends, je vérifiais deux fois mais je crois pas que je... Venez là, créature des enfers. Oh, GG, énorme. Ah, oh, je reviens pas comment t'as géré avec classe le boss final quoi. Jamais mort devant, mais alors... Là pour le coup c'est toi qui avais la classe intergalactique. Alors là, énorme. Muri, l'aventurière de l'espace. Attends, du coup, j'en suis tout troublé, je sais même plus. Oui.
Jeter émoustillé, le sage. Bah, émoustillé, oui, si on veut, mais c'est juste que. Waouh, j'en reviens toujours pas. Honnêtement, moi je m'attendais à ce qu'on en baffe davantage, mais tu l'as tellement bien géré que. Rien à redire. J'avais la bonne arme pour. Ah ouais, non mais. Ça, tu peux le dire, l'arme que j'ai m'a bien aidé. Vraiment bien aidé. Tu voulais en découdre, et ben dis donc. D'une seule traite, tu l'as explosé le Kraken de l'espace. Ah, voilà. Que je cherchais. Ibi. Ah oui, attends, j'ai 25, presque 26 000 pixels. Je vais peut-être éviter de mourir, et puis je vais peut-être banquer. Ou tu. Il suffit de dire banque. Non, mais c'est ce que je suis en train de faire. Non, puis c'est le déluge. Dans ma maison, sur ma planète. À tel point que j'en ai les torches extérieures qui se décrochent. C'est dire la violence de la flotte. Là, j'ai un ouragan chez moi, virtuellement parlant. Ça, j'ai vu une torche tomber de la façade. Elle est tombée au sol. Oh, mais je sais, il suffit d'aller sur une planète volcanique. On en aura des scorchés de corps. Bah, oui, ou alors il faut faire de l'élevage. Là, les moutes rouges, ils en donnent. C'est vrai que j'ai pas commencé à faire de l'élevage. Ça aussi, oui, on peut faire de plaisir en faisant de l'élevage. Ah, j'ai oublié ce détail. Comment ça? Bah, je me suis TP à l'endroit où j'ai mis au cœur de lave de la planète où j'avais été pour voir si j'avais des créatures de lave. Uh-huh. Sauf que en fait, c'est juste un drapeau que j'ai mis, donc du coup, je peux pas me re-téléporter, faut que je remonte tout pour sortir. Ah. Attends, moi je réfléchis en même temps à me dire, est-ce que quelque part j'aurais pas dû. Voilà. Et du coup, faudrait que tu. Bah, du coup, tu, on pourra commencer raft n'importe quand tu voudras, quand il fera moins chaud là. Attends, je vérifie ce que j'ai en réserve moi, parce que je ne sais plus. Je ne sais plus, ouais. Je ne peux plus, ouais. Et j'en ai tout plein le... Voilà, c'est quoi ce mob-là? C'est la banane, c'est la banane. Wow, t'es quoi toi? C'est ah, bah merci pour le scorché de corps. Il y avait un mob de flammes, sauf que là, il était devenu vert. Et il avait une espèce d'armure d'obsidienne sur la tronche, je pense, un truc comme ça. Il m'a fait peur. Mais faut que je l'ai défoncé. Oh, t'es en train de me faire penser, t'as parlé du mec au voile noir là qui propose les clés machin. Mais quand est-il advenu du mec qui est sous la station qui dit j'ai de bonnes raisons de me cacher et reste pas ici? Je vais aller le voir. Tu sais que je suis toujours pas du tout allé voir ce bonhomme. Parce qu'il a quelque chose à t'offrir. C'est vrai en plus. Il y a quelque chose à récupérer auprès de lui. Alors attends, d'abord, faut que je me TP chez le sage. T'étais chez toi? Non, là je suis sur la. Je pars à la rencontre du mec, moi. Sur la station intergalactique. Je veux savoir. Reviens, de l'autre côté. Ah non, en dessous, tu veux dire? Oui. Alors attends. La base du sage. Voilà, je vais foutre la merde dans sa base pendant qu'il est pas là. Oh, le vilain. Le brigand! J'aime bien, t'as toujours le petit lapin dans la cuisine, hein? Et... C'est la banane. Wouh! Oula! Il roule dans tous les sens, lui. Oh, le sage, il va halluciner quand il va revenir. Ibi. Alors, oh. Le moustique qui se planque, où est-il? Regardez, son petit peu de camp là au-dessus, là. You. Il n'y a plus de quoi que. Non. Pas faire comme ça. Ah, j'ai encore faim. Ils auraient pu nous donner un bonbon qui nous coupe la faim indéfiniment là.
Non! Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que le mec était parti. Mmh. Attends-moi, j'arrive! Pour une bonne raison. Mmh. Bon, lui, j'ai déjà son cadeau, je te le laisse, petit Seb. Mmh. Je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Alors, lui, il a quelque chose à cacher, mais quelque chose d'énorme. Oh! Salut le chien! Oh. Alors, on découvre, hein, puisque moi je découvre totalement, ça passe par là, par là, par là. J'ai pas confiance, si jamais ça là, j'ai le clic sur TP à mon vaisseau. Mais moi je vais aller voir un peu plus loin. Ah oui, attends, tu me fais penser, mais j'ai fait banque, mais les pixels, je les ai gardés sur moi, la boutique, je suis. Ah bah oui. Mais oui, quel idiot je fais. Donc je vais peut-être faire gaffe de ne pas prendre trop de risques. Ah, le voilà. Bonjour. Bouilloule. Il y a une surprise dans la caisse. Je me marre. Ah, c'est dommage que je puisse pas le mettre avec. Avec ma même coupe. Ah oui, t'aurais aimé cumuler, non mais la bonne nuit. Bonne nuit. Moi ça me dit juste de dire, il me dit juste de dire à personne qu'il est là. Bah oui, mais c'est étrange. Oui, je te laisse inspecter ce que je voulais faire, mais comme j'ai pas rangé ma thune sur moi, je suis un peu idiot. Là où on meurt, on perd 30%, moi j'aurais tout perdu. Tout va bien. Bah Ah oui, mais j'avais pas vu, j'ai 30 000 sur moi. Ah bah, tu vois, t'es pas mieux que moi. Ouais, ça veut dire que le boss nous a donné au moins 20 000, quoi. Ouais, enfin, ou c'était Nova avec son cadeau, ah, là. Ah, c'était le sac. Ouais, qui avait 15 000, et puis je crois que le boss donne 10 000, ouais, donc ça fait 25 000 cumulés. La bonne blague. On va aller tuer le boss en boucle pour avoir des pixels. Ça va loin là. Mais tu y es déjà allé là sur le en continuant sur le côté. Je crois que j'ai fait les extrêmes limites, ouais, de bout en bout, de la station intergalactique, ouais. Ah, j'ai oublié que j'avais des contenants moi, dans la partie haute de mon vaisseau. Vas-y voir que j'inspecte ce que j'ai. Ah oui, là c'est mes fringues. Mm. Non, mais j'ai pas ce que demande le mec pour avoir la clé spéciale. Ah, bon, ça sera pour la semaine prochaine. Ah, t'inquiète pas, il me manque plus qu'un scorché de corps, après je te les file. Non, t'es sérieux? Bah oui. Oh. Alors attends, du coup je vais aller revoir le mec dans la station. Tu vas voir qu'il a changé d'offre, le salopard. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va nous guaquer, lui. Il va non, mais je pense qu'il... Ouais, je pense qu'à chaque fois que tu lui achètes une clé, ça doit changer d'offre. Oh, je suis en train de remonter de l'autre côté. Ah non, l'offre est toujours la même. D'accord. Non, mais moi je pense que c'est quand tu auras acheté ta première clé, là il va changer. Oui. Bah du coup, je suis arrivé de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est beau. Bah, je suis remonté sur le toit de là où est Maminova et tous les autres. Oh là là. Mais par l'extérieur. C'est énorme. Attends, tête console. Et je cours. Cours. Tous les jours. Bou 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 bou. Oui, des dieux. Ouais, bah j'ai fait le tour. Allez, moi je pars à la recherche du sarcophage là pour l'autre. Wow. C'est quasiment sûr d'en avoir croisé des sarcophages, mais. Et de les avoir scannés. Mais... Moins de choses. Ah, je suis ému. Je sais pas où.
Mes petits champs à cultiver. Oh. Tiens, la meme, là, faut que j'aille la traire. Alors, oui, c'est vrai que j'ai gagné aussi des graines. Oh, la belle fontaine. Ah non, mais je suis vraiment encore, entre guillemets, en état de choc. De me dire comment tu as trop bien géré le Kraken de l'espace et que tu l'as explosé en un coup. Enfin, du premier coup, c'est... Au début, c'était un peu limite, hein. J'ai dû utiliser quelques trousses de soins, mais après, une fois que j'ai compris le pattern, c'était bon. Ah non, non, franchement, waouh. Ben voilà, je peux le pixeliser le truc. Tu veux faire la quête de l'autre? Pas mal, yeah. Bah c'est bien d'avoir un choix de multiples quêtes secondaires, c'est beau. Je me souviens plus que j'avais tout ça. Ah, puis je regardais tout dans les frigos. Oh, un enquiquineur. Qui meurt. Que j'ai transformé en... Ah, en plus, ouais, oui. C'est toujours la quête principale de trouver, d'obtenir la clé, là. Quoi? Attends, oui, j'ai pas géré mes quêtes. Ah oui, la frontière finale. Oui, c'est une quête principale, effectivement. C'est la quête après les quêtes. C'est ça. Non, mais c'est sympa qu'ils aient prévu ça. Ça me plaît beaucoup. Ah, c'est pas ça. J'aurais peut-être dû faire les deux tout de suite, moi. De toute façon, au prix que ça m'a coûté, c'est pas bien là, grave. Oh, j'en ai encore là. Putain, mais c'est pas possible. J'ai passé ma journée à faire de l'agriculture. C'est ça qui est bon. Là, je range le lait, précieusement, dans les petits frigos. Là, je peux faire le synchro-saint popicole. Le popcorn. Chibidi bidi bidi bidou. Chibidi bidi wah wah. Je chantonne n'importe quoi. Je suis un kiwi. Laissez-moi replanter le kiwi. D'accord, je pense qu'il y a un... Non, il y a un an de ça. L'été, j'avais dépanné un copain à arroser son verger en son absence. Il profitait de vacances à Pétaouchnock. Et il avait tenté l'expérience de planter un kiwi. Et ben, en 15 jours, croyez-moi que le kiwi, je l'ai vu sortir de terre. C'est rigolo. D'ailleurs, il faudrait que je lui pose la question. Est-ce qu'il a fini par avoir un fruit? Kiwi de Lorraine. Oh mon dieu. Le réchauffement ou le dérèglement climatique nous aura tout fait. Ah voilà, il est là. J'ai éteint la torche. T'en veux un de grand avion de sarcophagus pour l'autre? Pour la quête? Sont à trois yeux là. Bah si t'en as un rap, tu sais, hein, c'est pas perdu, hein, merci d'avance. Bah en fait je l'ai pas, mais comme je l'avais scanné à un moment où je l'avais croisé, bah en fait je l'imprime. Ah oui, que je puisse à mon tour le numériser l'exemplaire. Oui, c'est sympa, merci. Attends, je gère très mal mes champs d'agriculture, là je sais plus où sont mes trucs. J'ai essayé de faire des sections... Attends, je crois que je mélange les choux et les carottes, là, mais bon, tant pis. On s'est pas perdu. Oh, j'ai entendu une téléportation. Mais chez où une petite chèvre héroïque qui me rend visite. Oh, Grand Tavion Sarcophagus. Merci, petit pour chèvre. Le scanner, et puis, tu pourras l'utiliser pour la quête. Ok, doki. Ah oui, parce que j'en ai imprimé deux, comme ça je vais... Ah non, je l'avais déjà scanné, pardon.
Bah voilà, bah il te reste plus qu'à aller le donner à l'autre. Mmh. En 3-2 minutes. Ok. La 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 la. Allez, la petite pluie. On va encore commencer à avoir faim. Mais... Oh. Donc j'ai consommé 100 pixels, alors à peu près 400 parce que du coup j'ai fait des erreurs, pour recrafter le truc et en récompense il m'en donne 1000. Eh bien. Ah mais il a une autre quête. Ah d'accord, mais en fait il va avoir des quêtes et chaque fois que tu lui apportes un truc il te file un module manipulateur et il te file une puce pour ton EPP. Oh. Alors, Big Ape Bust. Eh oui, le Big Ape. On a vu que sa projection holographique et son ministre de la de je sais plus quoi là, en robot. Mais le vrai Big Ape, il est toujours quelque part dans l'univers. Ah, ah. Si c'est pas une IA, parce qu'on avait émis l'hypothèse que c'était peut-être une intelligence artificielle. Ah merde, Doom, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Du coup, je suis dans la mouise parce que mon inventaire est plein, je peux plus manipuler d'objets. Du coup, je vais mettre un truc au pif, faut mettre là. Le truc à pas faire, ça va moisir. Parce que je vais l'oublier dans la minute qui suit, évidemment. Voilà. Oh là, oui. Ouah, mais c'est qu'il détale vite le 3 boules dans ma cuisine là. Ouais, t'as vu ça? Ouah. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, je sais pas si Aerostar m'écoute, mais à mon avis, ce que je vais lui dire va lui parler, parce que, voilà, on est de la même génération. Là, ce qui déambule, excepté le lapin, dans ma cuisine, j'ai l'impression de voir les créatures d'Arcanoïde, le casse-brique légendaire. On dirait vraiment les créatures du casse-brique. Enfin bon. Complètement. Merci. Aerostar approuve. Ah là 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 là. Et c'est là où on retrouve Dot dans l'univers, le grand méchant. What the hell? Feather food? Ah, en plus, c'est pas nouveau pour moi, je l'ai déjà fait. De la bouffe de cérémonial avian. Ok. Oui, moi aussi, Arcanoïde, ouais, j'ai pas compté mes heures quand j'étais ado, mais il était génial comme casse-brique, Arcanoïde. Surtout qu'il y avait un éditeur, tu pouvais éditer tes niveaux, je sais plus, il fallait appuyer sur F4 ou F9, et tu pouvais composer tes propres tableaux, c'était trop bien. J'avais passé des week-ends entiers à faire mes propres tableaux. Ah, un truc que je peux faire. Tiens, j'ai jamais fait ça. Oh, je suis en train de faire de ces recettes. De la confiture de kiwi. Armed Display Armor. Oh, tu dis des choses, petit Seb. Okay. J'aime un twig. Non, c'est la quête du trois yeux là, du poisson. Oh, d'accord. J'ai fait trois fois sa quête avec trois objets différents. Ça, il file 1000 de thunes à chaque fois. Alors comme je les pixelise pour une centaine et je gagne 1000 derrière, donc... Malin. Ouais, sauf que là, la quatrième quête, j'ai pas l'objet. Ah, the mage. C'est vrai qu'il est le gardien de la grande bibliothèque des connaissances, hein, dans l'univers. C'est bien, il archive tout avec son peuple.
Il est le gardien de la plus grande bibliothèque de l'univers. C'est beau. Je fais n'importe quoi, moi. Attends, ça, il faut que je le vende. Attends, je garde pas ça. Bien, 1800 recettes. C'est le cas de le dire. À double titre. Les recettes des recettes. La 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 la. Ouais, allez, je vends ma bouffe aussi. Au moins, elle sera pas périmée. Puis, ce sera pas perdu. Allez, go, je suis déjà à 3000. Hop, là, je prends tout. J'en fais du synchro-simple au picorne. Mais on a eu raison de bien emporter. Oui, emporter quoi? Les gros bandages aussi. Mmh. Tiens, je me demande si je vais pas m'acheter des œufs de. Puis faire de l'élevage improvisé sur ma planète, ce serait sympa. Comme j'ai 3000 sur moi, je vais acheter. Si j'achetais les. Comment ça s'appelle ? Les espèces de vaches qui font justement les trucs volcaniques. Voilà, Fire Fluffalo Egg à 2500. Bah voilà, j'en achète un. La surface opposée de ma planète, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, l'endroit est. Allez, hop, je fais nimp. Je mets l'œuf là. Bien revenu dans quelques jours, il y aura un bel animal. Il y aura El Toro. J'ai un projet, petit Seb. Je t'écoute. Je sais pas si je vais le faire sur ma planète ou sur ma station orbitale future, si je peux m'en acheter une. Je crée une discothèque de renommée intergalactique et je l'appelle le Popcorn Club. Oh, ce serait trop bien. Tu mets des discos en forme de popcorn, c'est ça? Ah, sérieux, je crois qu'on pourrait le faire en plus. Le Popcorn Club, yeah! Tous les sons de la galaxie, you, réunis en un seul endroit. Oh, ça fait trop vendeur, trop bien. Que j'aurais même un bar avec des serveurs robots, que ce serait plus cosmopolite que dans Mass Effect. Là. Ça me laisse le rêveur, petit Seb, lorsque je me tourne vers les étoiles. C'est ça qui est beau. Ah bah, continue à rêver, c'est beau. C'est ça. Alors, ça pousse dans mes champs? Merde, il n'y a plus d'averse. Oh. Ça, je récolte. Ch'ti carotte. Ouais, je vais récolter les ch'ti carottes. Les petites carottes. Alors une planète volcanique. Oui. Va falloir que je me redéplace mon vaisseau, moi. Ça, c'est quoi? Vaisseau hostile modéré. On va aller défoncer ça. C'est ça qu'il va falloir que je fasse aussi, que je défonce des vaisseaux et tout, là, pour... Ah, moi, il faut que j'améliore mon vaisseau. Mon métro. On voit qu'il est en cours de construction, il n'est pas achevé. J'y suis presque, mais il n'est pas complet.
Le rail va pas jusqu'au bout et l'éclairage est pas jusqu'au bout non plus. D'ailleurs, en parlant d'éclairage, je vais passer des torches à des néons puissants en surface. Ouais, je vais essayer d'améliorer ça aujourd'hui. Pardon, oh, je m'étire en même temps. Ah là 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 là. Ah, j'ai un piaf qui vient m'agresser, vilain. Putain, comment qu'il est mort en un coup. Alors, cuisine. On va tout cuisiner. Petite tomate. Encore? Ah oui. Par contre, les carottes, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a 10. 10 jus de carottes. 10. Attends, excusez-moi. Pour mon confort. Hop là, voilà. Non. En fait, ce que je viens de générer en miam, il faut que je le vende aussi. C'est en train de sonner chez moi, mais j'ai pas envie d'y aller. Normal. Oui, on est samedi. T'attends pas de livraison? Une page de sac. Bah, c'est pas ta. Ah oui, non, Sonny, c'est toi, oui. C'est parce que je... à un moment, tu avais parlé de ta boulangère qui passe faire la tournée de vente de pain. Voilà, ça c'est juste pour m'emmerder. Putain, c'est fou. Ouais, c'était un démarcheur à la noix. Non, non, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, ça se distingue d'un coup de klaxon et non pas le fait de sonner directement à ta porte. C'est pas la même chose. Enfin bon. Encore du lait. Il faut racheter de meilleures armures, les gars. Voilà. On fait pas long feu. Déchaîner le truc. Je t'avais pas vu, toi. Ah, c'est. C'est la folie. Hein. Enfin, bref. Ouais. Ah, bah, tiens. Dans les vaisseaux de difficulté modérée, je pense que j'ai toutes les. Tous les schémas de méca parce que. Je vois plus que des doubles. J'avais rangé des graines ici et là. Attends, je suis en train de découvrir dans mes frigos que j'ai rangé des graines carrément de. Faut que j'aille planter ces graines, moi. D'ailleurs, on est bien d'accord que le meuble là n'en a pas. Oui. C'est une réserve de. Bon, bah. Je vais improviser des. Des plantations. Je vais essayer de les regrouper par type.
Ça c'est blé. Alors les baies en buisson, ça c'est le cacao. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs, ma grande surprise. J'ai plus de sucre. J'ai 5 plants de sucre pour 3 de cacao, c'est fou quand même. Voilà, ça c'est les baies sucrées en sur buisson. Voilà, c'est la suite de ça. Du coup, je vais finir par délocaliser le piment. Ah, puis le raisin. Ah, c'est la première fois que je plante des pieds de raisin, dis donc. Alors que je t'en avais filé plein. Bah, je m'interroge à savoir où est-ce que je les ai rangés, parce que là, c'est pas apparent. Mais... Bah, pas plein, mais j'ai dû t'en filer au moins un ou deux. Bah, là, j'en ai trois et je viens de les planter pour la première fois, donc tant mieux. C'est cool. Ouais, tu les avais peut-être pas plantés avant, c'est tout. Je pense que j'avais pas pris ce temps de... Enfin, il faut pas que je néglige voilà la bouffe. Ouais, non, j'ai pas mal de pommes de terre sur moi. Alors, hop, cuisine, ça se passe là. Voilà, du coup, vous avez un direct posé peinard pépouze. Hein. Il y a tellement eu d'action avant 10 heures que... On est vraiment retombé en mode baba cool. Pas du tout. Je cherche le moyen de tabasser plus de trucs, moi, mais... Ah. Alors, mes pensionnaires qui m'offrent des cadeaux. Quoi? Flux des déflectors, c'est un flingue ça? Ah non, c'est un bouclier. Alors, il est original, mais malheureusement, il est de piètre qualité. Dommage. Captain Morbid! Alors, il m'offrait 10 lances et 20 fléchettes. Le mec, il va en découdre. Attends, je vais faire, voilà, j'ai envie de dire une overdose de bouffe pour être tranquille un bon bout de temps avec la gestion du miam. Voilà, ça je vais pouvoir le revendre également, je suis déjà à 1300 pixels de revenus. Alors, ouais, je m'en tous ça ferait. Moi, ce sera. Hop. Attends, j'envoie pas le truc direct. On rajoute les 3 risottos. Adjugé vendu pour 810. Big shell. Ibi. Alors, je vais aller voir. Je pense que l'œuf a éclos là. Ça doit être un taureau rougeâtre.
la bestiole dont j'ai acheté l'œuf pour 2500 pixels. Je pense qu'il a sa taille de bébé, l'animal, non? Oh, j'en ai deux! Oh, le bol! Dans l'œuf, j'ai eu des jumeaux. Oh, le bol! Je vais en avoir deux pour le prix d'un. Les petits bébés. Bébé. Ouais, et bah c'est cool. Oh, le bol énorme. À moins que ce soit normal, mais je crois pas. Moi, j'espère que dans mes parties précédentes, c'était un œuf, un animal. Et là, à moins que ce soit un bug chanceux, mais je pense pas. J'ai dû avoir un coup du sort. Deux jumeaux. Ouais. Qui sont bébés. Je reviens dans quelques temps, bah j'aurai deux beaux taureaux rougeâtres. Qui là vont avoir une énorme prairie pour eux tout seuls à brouter. Ils vont être heureux comme tout. Ibi. Oh là là, ouais, cette matière. Hey, j'ai pas regardé avec mes ateliers si je pouvais interagir, faire un truc bizarre avec la matière du Kraken de l'espace là. Vas-y voir que je vérifie ça. On passe peut-être à côté de d'éléments de construction possibles. Ah, je sais pas, je demande à vérifier. Attends, mon four atomique, il est en bas, dans la cave. Rien que le four, déjà, il propose rien de spécial. Ah non. J'ai pas de... Ah non. Non, non, ça déclenche rien, visiblement. Ah. Bon. Pas comme... Ah, je suis placé. Faut que j'aille voir le sage. Oh. Bah, je suis dans ma cave, chez moi. N'hésite pas à me rendre visite. C'est le moment opportun. Je suis à côté de mon téléphone. Dans la cave non. Je vais me faire attacher après. En l'autre. Ah. Oh, Mickey petit Seb. Effectivement, par rapport à ce que tu m'as donné, il faudra que je fasse le point. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas? Oui, voilà, oui, tu m'en as donné plein. A14. Qu'est-ce que je pourrais me déverrouiller d'intéressant? La peinture que j'ai pas déverrouillée. Les liquides aussi. Ah non, je les ai déjà. Non, j'ai des bêtises. Je les ai déjà. C'est l'électricité que j'ai pas. Pas que je voulais. Que j'ai pas déverrouillé. Je pourrais. Ça, j'augmente la. Alors, j'ai la puissance à fond, hein, mon manipulateur de matière. Ah, la zone de. Ouais, 12. Oh la vache, 48 à la fin pour avoir 5 sur 5. Et ça, c'est la portée. Bon, ben voilà. Les cartes, c'est pour les trucs techniques à se mettre en boule, là. Ouais. Oui, du coup, je peux faire des trucs maintenant avec la... Quelle électrice c'était? J'ai pas de bouton, rien, non. D'interrupteur. Oh, bah en déco, je vais mettre la belle coupe, là. Ah, oh, je vais peut-être faire les défis de Nulu. Pour le délire. Ah oui, mais là, je gâche le pupitre du vaisseau de commande. Attends, je vais mettre la coupe ailleurs. Elle est magnifique, hein, mais... Bah tiens, je vais peut-être la mettre au sol, ici. Oui, non, on change pas la tenue. C'est trop drôle, le coup de la tenue de mariée. Réfléchissons...
Ah oui, j'ai pas rangé le livre. Attends, ah oui, mes bouquins sont là. Oui, j'ai mélangé différents trucs. Oh mon Dieu. J'ai n'importe nawak. Alors, surface opposée, on va aller voir si les deux petits taureaux ont grandi ou pas. Oh, je pense que le laps de temps est beaucoup trop court, là, j'abuse. Encore que la nuit tombe. Oui, c'est encore des bébés. Mais oui, c'est encore des bébés. Puis là, ils s'apprêtent à faire dodo, donc je vais pas les déranger. On va dire que c'est des adolescents. Ça pousse, ça pousse. Donc on est bien d'accord que là t'as pas les 10 scorched, la machin de lave pour acheter une clé. Ouais. Ah. On va peut-être réussir à le faire tout juste avant midi. Parce que je rappelle qu'à midi, malheureusement, il faudra qu'on coupe, enfin du moins moi. Comme je suis pas là ce week-end, j'ai un agenda à tenir. Veuillez m'en excuser. Ouais, c'est pas grave, ils viendront regarder mes streams. C'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que si je quitte avant vous, enfin avant toi, petit Seb, je te ferai relais de chaîne et puis tu seras libre de faire ton relais de chaîne plus tard à qui tu veux. Ouais, alors maintenant qu'on a battu le boss, il y a des créatures renforcées qui spawnent. Où? Sur des planètes extrêmes? Je sais pas, mais là tu vois par exemple j'ai un lapin classique, mais avec une armure quoi. Un lapin en armure. On voit un monstre lapin avec une armure. Ok, tout va bien. Oh mon Dieu, c'est du délire. Ah, elle est où la belle musique nippone, la radio là sur l'aquarium? Elle est où, musique? Oh, Eh, demain, scorcher le corps. ça aussi c'est un objectif à atteindre. Monter une salle de concert et jouer synchronisé une même musique avec des instruments différents. Faudra qu'on le fasse aussi dans les prochains épisodes. Ouais, mais avec tout ce qu'on a à faire, hein, de toute façon, l'année prochaine, Ouais. on y sera encore. Et d'ailleurs, si tu veux, on pourra peut-être commencer à alterner entre l'épisode de Starbound et de Raft, que j'aimerais découvrir à tes côtés. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, pardon, tu vois, j'ai même pas réagi, excuse-moi. Alors, je dis pas que samedi prochain on démarre Raft, je sais pas, on verra. Il faut pas qu'il fasse trop chaud. Il est hors de question que je mette à plat mon ordi et que je le mette en surchauffe parce que je le ménage. Hein. Comme je vous ai déjà expliqué, je veux pas perdre mon ordi. Non mais de toute façon, d'abord faut qu'on en finisse Oui. avec la quête principale de Starbound. C'est vrai, elle est encore en cours avec cette histoire de clé. Tu as raison, la limite. C'est quoi qu'ils disent, la limite de l'univers? Non, la frontière finale. Qu'allons-nous découvrir au-delà de ce portail intergalactique qui remonte peut-être à l'origine même de l'univers et de la première espèce intelligente? Hey, t'imagines, on découvre une nouvelle espèce qui s'était cloisonnée à un endroit précis de l'univers, tu sais. Oh, on découvre les. Tu sais, comme faisaient les hommes oiseaux, là. Les hommes lapins. Des races qu'on connaît pas encore. Ce serait trop fort, t'imagines? Ah, mon Dieu. Ah, je récolte mon cacao.
C'est la banane, c'est la banane. Moi, je suis trop bien. Tic, petite tomate. Touk. Du spook pie, de la tarte flippante. Scary spooky skeleton, da di da di da. Bon bah je vais ranger le lait dans le... Voilà, dans un frigo. C'est précieux le lait. Qu'est-ce que j'entends? Ah, un futur mort. Pas chiche. Je me mets comme il fait jour sur ma planète. J'essaye d'atteindre la face opposée mais à pied. Le mec il est fou. Comme du temps de la toute première exploration au tout début. C'était quoi ça? Ah oui. C'est la station intergalactique. Oh, destruction d'ennemis en un coup. C'est horrible, même les gentils, je les explose. Hop là. Oh mais c'était un gentil. Oh là, je suis devenu monstrueux. Encore un lapin armuré là. Mmh. Oh, j'avais un Pokémon rare qui m'est apparu là, que j'ai explosé en un coup. J'avais les cracheurs de poison là sur patte, mais lui il était mauve, il était pas vert. Il avait comme un diapason sur la tête. Observer les arbres, c'est pas encore le... Ah, ça y est, c'est bon. Ah bah tiens. Ça y est, je suis déjà à l'opposé de ma planète. Ah, ils sont toujours petits. Un jour, ils deviendront grands. Hop. Ah, ma cyberpoule qui me propose une pile. Oui, je peux manger un coup. Je suis à la moitié de ma barre de faim. La barre de miam. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les armoires? Tellement de choses. C'est quoi ça? Oh, c'est une coiffe de pharaon, dis donc. Je me souvenais plus que j'avais ça. Tiens, pour changer un peu de la coiffe banane. Oh, c'est vrai que j'ai la coiffe lapin aussi. Oh! Oh! Oh, c'est troublant. Mon apparence est tellement... Waouh. J'ai pas de mots pour décrire ce que je suis devenu, là. Wow. C'est extrêmement troublant, là, maintenant. C'est... Oh, j'ai plein d'éléments de construction, d'objets, c'est... Faut que je me fasse un labo.
Alors, je me souviens d'une partie précédente où j'avais trouvé une base où il y avait du béton. Ça, c'est un élément que je ne sais pas encore faire, les briques de béton. Ce qui permettrait de faire des beaux bâtiments propres. Ça, ce sera pour un prochain épisode. Alors, c'est une arme à une main, mon truc. Ah non, c'est à deux mains, ouais, c'est un truc de fou furieux. Petit flingue à deux mains. Ouais, arme unique. Au moins que je me défende. Alors attends, je vais revenir à la surface opposée, là, je vais rester auprès des futurs taureaux. Enfin, les taureaux en croissance. Je vais voir les armes que j'ai sélectionnées, ce qu'elles valent. Ouais. C'est bien, lance-grenade. Oh, c'est tombé sur lui, le pauvre. J'ai pas fait exprès. Ah oui, et c'est une arme unique, effectivement, elle est trop bizarre. Oh, ce jeu. Bon, bah ça me va, moi, comme flingue. Oh. Teleportation. J'ai de la tunasse sur moi. Est-ce que je peux continuer à faire de l'agriculture? Je pense pas. Ah oui, il faut que je continue mon métro. Voilà. Allez, je vais essayer de monter un objectif avant la porte ancienne là. Le métro. Il faut que j'achète des néons. À défaut de les avoir rangés quelque part. Je crois que j'ai mis les rails, il me fallait du cuivre. Là j'ai deux bumpers. Je vais les prendre, on sait jamais. Les rails. Non, là j'ai rien dans la caisse là. C'est pas la richesse, hein. J'ai pas tant de trucs que ça. On voit que j'ai pas beaucoup d'heures de jeu au niveau de cette partie là. Donc avec toi je vais vraiment à l'essentiel. Lumière. Ouais, du coup moi je suis sur la planète de une planète volcanique là et en fait je fais des quêtes. Ouais, c'est bien. Hop là, bon je peux pas claquer toute ma thune. Ouais, je vais avoir suffisamment de monde pour finir largement le métro. Et je disais qu'il me fallait moi du cuivre. Du cuivre. Est-ce que j'en ai gardé en réserve dans mon vaisseau? J'espère. À moins que j'ai tout épuisé. Ah oui, j'ai tout épuisé. Merde, j'en vois plus. Ah oui, j'en ai 8 petits lingots de rien du tout. Ah oui, non, là c'est la misère. Ah ouais, faudra que je retourne miner, dis donc. Oh, c'est scandaleux. Ah non, j'ai des rails là. Ah, je peux faire ça. J'avais rangé des rails ici. Hop, la flotte, je la range. Ibi. Mais attends, oui non, c'est moi qui m'a cliqué. J'ai cru que j'avais pas le droit de ranger les blocs de tentacule. J'ai essayé, il y a un truc, il y a un interdit dans le jeu. Mais non, c'est bon. Ah, j'ai pas optimisé mon schmilblick moi. Ah, j'ai amélioré mon... J'ai mis une clé lumière niveau 3 à mon équipement, là. Tiens, je retourne sur une planète dont j'avais gardé un index de téléportation. Ah, non, bah c'est plus le cas. Merde, elle a disparu.
Ah, une planète que j'ai référencée qui soit pas mienne ou tienne, c'est une planète où je suis en fait sous un océan d'acide. Ah, c'est intéressant. Bah oui, t'avais creusé exprès pour aller en dessous. Et je suis ravi de la clé spéciale lumière niveau 3, parce que du coup, bah, j'ai envie de dire, j'ai même plus besoin de torche. Le confort absolu. Ah, j'entends des choses que je vais pouvoir privilégier. Oh, pas tant que ça, ils sont résistants les salopards. Faut que je change d'arme. Attends, je leur fais bobo comment? Ah, quand même. Ah ouais, à la grenade, je les ai pulvérisés. Intéressant. Ah, j'ai des bons flingues. Je peux m'enorgueillir d'avoir des bons flingues. Wouah. Salopard. Comment qu'il m'a balancé une boule de pétrole dans la tronche? Ah non, mais... Oh, trop bien. Oh oui! J'ai des ressources précieuses qui s'appellent Durastil, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Ah oui, alors la Durastil, faut, dès qu'on la voit, il faut la récolter. Waouh! Ah, puis là, j'en ai un joli filon. Trop bien. Ah oui, il y en a encore! Putain, tu vas voir que je vais tomber comme un idiot dans les limbes. À cause de l'appât du gain. Ah, ici, il y a du pétrole. Ouais, c'est vraiment la bonne planète que j'ai choisie, moi. Oh, un coffre! J'ai un schéma de construction de... Comment ça s'appelle? De pupitre de commande. Je vais bouffer, moi, parce que là, je vais crever. J'ai plus de... Puis je suis parti avec pas beaucoup de bouffe, ce qui est pas très malin. Aïe, aïe, aïe! Je sais plus quoi pencher. Mon aspect est ultra délirant. J'adore. Oh, cet océan de pétrole. J'en veux. Ah ouais, non, mais là, je me bouge dedans, ouais. Carrément. Voilà, j'en laisse un peu histoire que ça se régénère s'il y a de la flotte ou je sais pas quoi. Parce que ça peut se régénérer. Waouh, et je suis bien content d'avoir... Alors certes, j'ai le rayon d'action et la portée encore basique de mon manipulateur de matière. Mais souvenez-vous que j'avais mis à fond la puissance d'excavation de mon manipulateur de matière. Ben je regrette pas, hein, parce que le confort est là. Ah bah ouais, là, quand t'es à fond, Théo... Ah, c'est trop bien. Comment j'échantillonne tout. Et puis ma clé spéciale lumière, là, franchement, trop bien. Hé hey, tu t'es lancé dans les fossiles? Pas du tout. Ça aussi, c'est à faire. Tiens, ouais, tiens. De toute façon, il y a tellement de choses à faire, on n'est pas prêt d'avoir fini, hein, c'est ce que ouais. Je te disais. J'ai découvert... Oh, très bien, un module pour améliorer mon vaisseau. Ouais, des modules d'amélioration de vaisseau, j'en ai 23. Voilà que je te les réquisitionne, petit Seb, quand j'aurai la thunasse de faire l'extension de vaisseau. Je crois que j'ai fait qu'une transformation de vaisseau, moi, sur les 10 qu'il y a, je crois, environ. Les 8 disques qu'il y a. Non, il n'y en a pas 10, il y en a... Oh, il y en a 8, je crois. Il n'y en a que 4. 4? Oh non, je te crois pas. Non, non. 4 ou 5, pas plus, hein. Oh! Ça va loin, hein, les... Moi, je me souviens, à l'époque où le jeu était enfin sorti dans sa version complète, j'avais vu des gifs animés sur le wiki de Starbound. Les vaisseaux, franchement, tu les transformes en 8 étapes. Hein. Ils deviennent de petits vaisseaux à des vaisseaux mères magnifiques. Mais les dernières licences, elles coûtent la peau des fesses. Hein. C'est du genre un quart de million de pixels. Hein. Ah ouais? Oh putain, ça va me gonfler, par contre. Ça coûte aussi cher... Ouais, mais ça vaut le coup, quoi. Après, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un succès Steam qui est lié à ça.
le fait d'avoir la toute dernière forme du vaisseau de ton espèce. Parce que chaque espèce a des vaisseaux différents, en plus. J'ai essayé d'aller voir les succès Steam, mais quand j'arrive sur la page, ça me dit qu'il me manque 23 succès et que c'est 23 succès cachés, alors... Ah, bon, ils ont raison. Pour ceux qui ont la collectionnite et qui veulent torcher le jeu, ça, c'est autant de challenges. Oh, je découvre des choses, petit Sep. J'ai vraiment bien choisi ma planète, moi. Il y a il y a des structures et des ennemis que j'explose en un coup. Non, je suis prétentieux. Je les explose en trois coups. Oh, ça c'est de l'argent qu'on voit en arrière-plan. Je récolte. Ouais. J'ai réquisitionné. Oh, quelle est cette cavité encore non explorée? Oh, un coffre. Ah bah, encore un module de vaisseau, dis donc. Upgrade model. Et encore une structure. Quelle est-elle? Tant de mystère, petit Seb. Toujours et encore. Putain, je mets plus de torche tellement que mon truc éclaire trop bien. Oh, il y a des champignons qui poussent au plafond. Eh bien. It's possible. Faut que je fasse gaffe, moi, parce que j'ai pas beaucoup de bouffe. Et faut pas que j'aille au centre de la planète, sans quoi le temps de remonter et tout, je crevais. Tiens, d'ailleurs, je vais me faire une mauvaise chute en plus. Ouais, je vais peut-être me diriger vers la surface, moi. Ce serait vraiment malheureux que je meure comme un caca de manière débile. Puis d'ici là, mes taureaux ont pris leur taille adulte sur ma planète. La 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 la. La la la, je trompe là, là. Moi j'avais... J'avais l'air de japonais là, quand j'ouvrais la radio sur mon aquarium. Un air officiel de Starborn. J'espère. Avecimocyte. D'air asiatique de restaurant là qui est vachement bien. Cette planète me plaît pas. Voilà. La planète qui te plaît pas. Ah mais je suis fou, moi je dis je vais retourner en surface, mais non, faut que je retourne mon téléporteur, puisque je suis sur une planète acide avec un océan d'acide au-dessus de ma tête. Oh oh. Oh, j'espère que je me suis pas perdu comme un abruti. Je sens que je vais mourir comme un caca. Oh oh, j'ai fait une bêtise. Maintenant que je réfléchis, je suis en train de me dire que je me suis perdu comme un grand. Je me suis mis en péril tout seul. Continue à explorer et quand tu penses que c'est trop, tu me diras, je fais un TP à ton téléporteur, comme ça tu pourras me rejoindre. Ah oui, ta théorie est potentiellement valable, oui. Merci. Bah oui, quand t'es dans la même équipe, ça donne une boussole vers les coéquipiers, donc oui, en haut à gauche, oui. Tu pourras voir où je suis et je serai à ton téléporteur. C'est pas faux. Je t'accorde ce fait, merci. Ah, j'ai de la visite. Que j'explose en quelques coups. Oh, une structure. Il faut que j'aille voir. Des beaux piliers de grec. Ah, encore un ennemi. Un coffre, d'accord, là y'a rien. Oh c'est beau. Alors attends, je reviens là où il y a le pétrole, donc je reviens au moins à la hauteur de mon téléporteur. Ah ! Une torche. Alors je suis peut-être pas trop loin de mon téléporteur. Avec un peu de chance, je vais la retrouver tout naturellement et ce serait une bonne chose. Je crois que j'ai pris la bonne voie. Ah, ça me plaît ce que je vois. Comme un grand. Allez. Oh oui.
Ah bah c'est ma sortie à la verticale, ça, je reconnais. Si je veux, je peux ressortir par mon tunnel creusé. Putain, mais ils sont chiants, hein. Les lance-boules de pétrole, là. Non, c'est un cul-de-sac. Là aussi, c'est un cul-de-sac. Oh, précieuse ressource. Surprenant que je ne l'ai pas extraite. Ah, là aussi. Bah alors, avais-je la prétention de me dire que j'allais revenir paisiblement et me doucher dedans? Oui, faut croire. Puis il y en a encore ici. C'est pas comme si c'était de la durasteel, mais bon. Une des matières les plus précieuses et appréciées de l'univers. Tout va bien. Bah merde alors. Attends, je suis sur mon territoire balisé et j'arrive pas à... Attends, je me creuse un raccourci là parce que j'en ai marre de faire des allers-retours et d'essayer de trouver des couloirs, des corridors qui ne soient pas des cul-de-sac. Ah. Oh, 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 oh. Alors ça, c'est la sortie à la verticale. Bon, bah c'est bien, je vais me tirer de la planète. Voilà, on voit que c'est des océans acides. Observez par vous-même. Voilà, il y a des millions, voire milliards d'hectolitres d'acide qui m'entourent. Oh là 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 là! Oh! Cette créature qui arrive à évoluer dans l'acide. Elle est énorme. Oh, j'entends la pluie. Je vais me faire piquer à l'acide, moi. Il y a une averse en surface de la planète. Ouais. Donc je vais vite me téléporter. Ouais, déjà, je me fais déjà piquer. Je fonds, petit Seb. Bon, c'est bien, je suis arrivé dans mon vaisseau mère. Allez, zou, téléportation, je vais aller voir les taureaux. Allez, il est 11h30. Avec un peu de chance, on va peut-être voir la frontière de l'univers. Allez. Ouais, mais j'arrive pas à trouver le dernier... Oui. Corchette, là. Bah oui. Oh non, ils sont encore bébés. Oh non, c'est abusé. Vu le délai bah, passé. Tu sais bien que c'est extrêmement long. Extrêmement, non. Mais là, je me rêvais déjà de les voir adultes. Oh là là. Mon impatience me tuera. Bon, allez, je retourne à mon vaisseau. Mon impatience t'impatientera. Wesh. Alors, je suis venu attaquer ce vaisseau. Ah oui. Je range. Ah oui, ça. Ah, j'avais pas le schéma de la console en pétrole. The chair console. Très original. Hein. Je vais devoir aller à mon four atomique parce que comme j'ai récolté du minerai. J'ai du bon matériau à me préparer là. Avec la musique asiatique. Un monsieur Captain Morbid. Enfin là, je le regarde pour améliorer mon mecha. Hein. Ah oui, il y a le mecha aussi à gérer. 14 milliards de choses à faire, c'est beau. Merde, j'ai oublié de. Ah, durasteel, j'en ai 23 lingots. Oh, trop bien. Je suis content de ma récolte. Très bien. Ouais, de la tunage, j'en ai 1400. Oui, ça. Électro-bâton. Ouais.
je vais ranger mon matériel précieux dans mon vaisseau. Ah, c'est une arme spéciale. Ah, une arme légendaire. Oh. En plus, elle est à une main. Ah, la classe. Et menace extrême. Je rentre juste dans le début du vaisseau. Je fouille trois caisses, deux schémas de méca. Énorme. C'est énorme. Oui, non, pas la surface opposée. Enfin, on va encore aller voir les taureaux là. Faut que j'aille dans les. Mais il y a encore un schéma là. Ah, celui-là, je l'avais déjà. Alors, agriculture. Les suites de la construction de mon métro. Ah, j'ai récolté une graine. Ça, c'est cool. Je sens quand même que j'ai une des dernières armures du jeu. Hein. La 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 la. Bon bah au total j'ai eu trois schémas de méca que j'avais pas. C'est bien, c'est bien. Bien joué, bien joué. Bon, la récolte est modeste, moi de mon côté. Mais c'est vrai que le bateau électrique là est très très sympa aussi. Ah, bonjour Fanfan. Alors, hop, ça je vais pouvoir le vendre. Mais il va falloir que je me fasse véritablement de la bouffe. De la bouffe bien à moi. Oui, bah je peux prendre ça et essayer de me cuisiner des choses. Alors attends, le sucre, je vais me calmer parce que j'en ai quasiment plus. Non, j'avais dit que j'ai gardé pour moi. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, je suis fou, moi. Là, pour le coup, je vais pas le vendre, puisque... Attends, tac. Si je fais du chocolat, que j'ai deux bananes, normalement, je peux faire... Non. Attends, pourquoi je peux pas le faire? Je peux pas faire des bananes au chocolat? Bah merde, je croyais que je pouvais le faire. Ou je connais pas la recette? Non, pas possible. Bah. Normalement, je suis censé pouvoir faire fondre le chocolat sur mes bananes. Je suis tellement habitué à faire la recette dans mes autres parties que... Ou alors, il faut que je démarre avec ça. Ah oui, pour pouvoir faire une banane au feu de camp. D'accord, c'est ça. J'avais pas débrouillé la recette qui m'est très familière depuis mes précédentes parties, en fait. Ça me surprenait. Ok. Bah du coup le chocolat là je peux le vendre. Oui la canette du coup je m'en moque, je vais la vendre aussi. Le lait je vais le garder. Attends le frigo là oui. J'ai trouvé une base orbitale de recherche médicale. Oh. Les recherches médicales. Ah, moi, je vais faire une recherche médicale dans leur coffre.
Non, non, ils sont toujours petits, les... Oh! Villain bait. C'est rigolo, les sports en parachute. Trop rigolo. Oui, bah je vais continuer à faire le métro. Métro, citro, pam, pam. Ah, bien, il y a une averse en même temps, donc les champs vont être hydratés. Je ne pouvais pas rêver mieux. Allez, fertilité des sols. Je veux de nouvelles récoltes. Une bonne averse en plus. Bien, pluie battante, très bon. C'est très très bon. Tiens, ça c'est du maïs pour mon popicorn. Alors, comment je faisais? Je pense que je faisais... Ouais. Oh, du coup, comme j'ai la lumière constante sur moi, ça... Ça frousse le... mes données d'éclairage, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pour le principe. Tac, ouais, dès que je le vois plus, j'en mets une, et puis... Ça fera le café, comme on dit. Ça fera le kawa. Alors, rallonge du rail de métro... Vas-y voir que je te récupère l'extrémité. On continue. Merde, de poser le rail. Ah, trop bien. Il n'y a rien d'intéressant. Oh, à ce point. Damage. Et du coup, si je pose la nacelle qui est là. Là, normalement, mon tramway métro, il est complet pour ma portion actuelle de d'agriculture. Et c'est trop cool. Alors, qu'est-ce que j'ai mis au bout? Un bumper où ça repart dans l'autre sens, de manière automatique, ou c'est un arrêt stop et net? Ce qui n'est pas forcément un avantage au niveau de la gestion de la nacelle. Ah oui, c'est des arrêts de chaque côté. On me demande si je vais pas mettre un... Plutôt un bumper de départ-arrivée. Je pense que ce serait mieux. Ce qui veut dire que... Si je procède de la sorte... Hop là, voilà. Normalement... Oh là 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 là, mes voisins sont tellement discrets que quand ils sortent de leur garage, je le sais. Là, je les entends claquer les portières. Oh, je viens de trouver une machine à fumer dans un coffre. D'accord, d'accord. Sur une planète de lave, y a aucun mob qui me donne un scorché de corps. Message de FunFan1992. Bonjour à tous, j'ai une de ces frayeurs. Le PC voulait plus démarrer.
comme il cherchait à démarrer sur le lecteur DVD LOL. Oui, il n'est pas rassurant ton message, Funfan. Ton ordi voulait plus démarrer parce qu'il cherchait à démarrer sur le lecteur DVD. Ouais, alors, fais gaffe parce que, en fait, si tu veux, quand tu gères l'amorçage d'un ordinateur, dans le BIOS, tu es en droit de dire sur quel périphérique ou dans quel ordre de tous les périphériques il doit chercher à pouvoir amorcer un système d'exploitation à charger en mémoire que tu puisses toi prendre la main. Si il a voulu chercher à démarrer sur le lecteur DVD, ça voudrait dire, si toi t'as rien changé hein, ton propre chef, c'est pas bon signe, FunFan. Ça veut dire que ton disque dur principal où il y a ton Windows, ton système, il s'apprête à lâcher. Là, clairement, ce que t'es en train de me dire comme symptôme, c'est que ton ordi a démarré de manière chaotique, de manière hasardeuse, où il n'a pas tout de suite reconnu ton disque dur principal. C'est signe d'une panne future fatale. Là, il montre des signes de faiblesse. Donc, je serai toi, FunFan, j'emmènerai mon ordi dans les prochains jours chez un dépanneur. Et c'est, je te le dis tout de suite, hein, FunFan, moi, à distance, je pourrais pas t'aider en qualité d'informaticien. Parce que là, la panne, je la flaire comme étant matérielle. Sauvegarde un maximum de choses, parce que tu pourrais perdre ton disque dur principal, FunFan. Ça déconne zéro. Là, tel que tu me décris ton symptôme, que tu as failli ne pas démarrer ton ordi, ça déconne zéro. Sauvegarde un max de trucs. De mourir deux fois de suite, je sais pas combien j'avais de thunes à la base. Il m'en reste combien? 1800. C'est pas parce que j'ai la flemme de faire les choses comme il faut. Non, mais je t'en prie, FunFan, parce que là, ça sent la mort de ton ordi. Ouais, la mort du disque dur, surtout, en vrai. Bah oui, mais ça, pour FunFan, c'est synonyme de mort d'ordi, parce que si tu perds le système d'exploitation, t'as les principales données, tu peux repartir sur, évidemment, un disque dur vierge, en espérant que t'aies de quoi installer un Windows dessus après. C'est juste l'enfer, quoi. Tu serais condamné à diffuser via la console dans les 3 mois à venir. Le temps que tu t'y remettes sur PC, c'est juste l'enfer, quoi. Il faut sauvegarder aussi tes scènes OBS, tout le bazar. Non, ça déconne zéro. Là, consciencieusement, FunFan, dans les prochaines heures, prochains jours, tu t'acharnes sur ton temps libre à faire la sauvegarde de ton PC, parce que... ça... Mais sérieux. Et même, j'insiste lourdement, hein, d'expérience personnelle et professionnelle en informatique, FunFan... Là, ton ordi a accepté encore de démarrer sur le disque dur et à charger Windows. Donc, avant la prochaine extinction de ton ordi, si tu peux déjà sauvegarder des trucs dans l'ordre du plus important au moins important, démarre maintenant la sauvegarde. Vraiment. Ne prends aucun risque. Oh, magnifique, méchant de blé, son mur. Je vais aller récolter le blé. Je m'en vais courir dans les champs en robe de mariée. C'est le délire. Pip, 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 pip. Je suis déchaîné. Ah bah c'est bien ça. C'est trop précieux le blé dans Starbound. Les carottes aussi. Récolte de carottes. C'est horrible, mais c'est vrai que dans ce genre de cas, le prochain redémarrage se fera peut-être pas. C'est vraiment avant-coureur d'un disque dur qui va lâcher.
Ah, oulala. J'ai l'inventaire de bouffe qui est plein là. Faut que j'aille en cuisine préparer de savoureux petits plats. Et me faire de la tounache. Oh, j'ai plus de sucre. Ça, c'est pas cool. Des cristals de géode. Cristal de géode. Voilà, pareil, je vais ranger le lait parce que je vais pas m'en servir maintenant. Wow, 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 c'est quoi ce nouveau biome? Ah, je suis sûr que j'ai pas vidé mon flingue en plus. Alors... Je finis par me dire que mon métro, j'aurais peut-être dû monter à l'envers. Parce que comme mon téléporteur est du côté où il y a le... Ça repart dans l'autre sens, c'est pas très malin. Ouais, j'aurais dû... Je vais inverser le schéma de mon... De mon métro. Oh, merci FunFan. Tu as offert à... Si j'ai bien compris, à Aerostar un abonnement. Oh bah merci pour lui, c'est très gentil. Va pas te ruiner. Hein. Comme les temps sont durs là. Mais merci, c'est très gentil. Ça y est, Aerostar va pouvoir faire le foufou avec mes émoticônes pendant un mois. C'est-il pas beau. Ah, petite flotte. Ah oui, du sucre, il me faut des plants de sucre. Oui, donc j'avais dit que j'inversais le coup du métro. Alors, attends voir. Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un, mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune, puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc., etc. Merci tout plein. Bisous. Alors, vente... Ouais, je vais me garder les bananes à becter. Ah, puis FunFan qui continue. Ah, bah pour toi, petit Seb. FunFan est très généreux aujourd'hui. Merci, FunFan. Ibi. Non, pour rien vous cacher, dans les 15 jours à venir, comme il y a les réductions là, du September sponsorisé, là, je pense que je vais prendre juste 6 mois chez Aerostar et 6 mois chez FunFan et c'est tout. Hein, parce que là, au niveau budget, avec l'inflation, je me calme sérieusement. Surtout que, à ma grande tristesse, vous l'aurez remarqué, j'ai moins en moins de temps pour venir vous voir sur vos chaînes respectives. Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un. Mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune. Puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc. etc. Merci tout plein. Merci FunFan qui en offre un troisième cette fois-ci à l'ami Twin Sand Twitch.
Et du coup, oui, tu peux t'exclamer, dire que t'en es à 28 cumulés d'offerts sur ma chaîne. Merci tout plein, FunFan, c'est généreux de ta part. Merci tout plein. Ah là 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 là. Ouais, connaissant-tu une scène, lui, il va faire un petit peu muse avec mes émoticônes quand il prend conscience. Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un, mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune, puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc., etc. Merci tout plein. Bisous. Oui, comme tu dis, tu profites que c'est le mois de septembre avec la Redux sponsorisée, oui. Bah, j'avais lu que c'était pour les abonnements de 1 ou 3 mois, c'est moins 25%, et si tu t'engages sur 6 mois, c'est moins 30%. Donc, oui, c'est sûr que c'est non négligeable. Mais encore merci. C'est un beau geste, comme on lit. Mais non, c'est vrai que je réduis la voilure là parce que le budget Twitch. Finalement, c'est triste, hein, mais c'est vrai que je le garde pour moi maintenant pour parer l'inflation d'un peu de tout dans la vie courante. Et c'est véritablement un budget. Dur, dur. Bon! Alors attends, je plante mes derniers trucs extraterrestres, je vais aller voir les deux taureaux à l'opposé de ma planète. Voir s'ils sont devenus grands et qu'ils nous donnent accès à la limite de l'univers. En résumé. Alors, opposé de la planète, c'est où? C'est la surface opposée. To the go! Sous une petite pluie. Et là, les taureaux sont toujours petits. Ah oui. Mais je me demande s'il faut pas que je reste à côté pour considérer leur croissance. Encore que tu me diras non, j'ai pas vu l'œuf éclore. Ou alors, il y a peut-être des paramètres que je connais pas et en fait, ils sont pas dans un environnement forcément adéquat pour eux. Je sais pas. À voir. Bon, bah, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui, les limites de l'univers. Ah, ce suspense. Avec le portail. Encore une base glitch. Une base glitch. Oh. Il faut que j'aille, oui, bah non, oui. Il faut que je prenne mon métro et que j'aille sur mon... Ah bah voilà. Oui, c'est vrai que comme ça, c'est beaucoup plus naturel, enfin naturel, pratique. Voilà, que j'ai mon métro comme ça, parce que même si j'abandonne la nacelle au terminus, je sais que la nacelle va revenir au début du métro, donc... Faut faire juste gaffe de pas faire des portions trop longues, parce que sinon le jeu ne prend pas en considération des trop longues distances. Ce qui fait que la nacelle pourrait se retrouver entre guillemets bloquée au milieu du métro. Voilà. Et ça, c'est super pratique. Ah oui, merde, j'ai pas cherché à cuisiner le truc. Attends, j'ai un ennemi... Ah! Alors, lance-grenade. Oh, je suis sadique. Oh. Oh, j'ai plus de sucre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je savais même pas que je pouvais faire ça, dis donc. J'ai appris à faire des nuts and bolts. Oh! Une salade extraterrestre. Incroyable. Egg shoot salade. Ça présente bien. Waouh.
Ouais, tant pis, le reste, je le vends brut. Ben voilà, c'est des mises et légumes frais. Ouais, c'est bien, c'est pas perdu. Le miam, le miam, le miam. Hop là. Ah bah, je vais pouvoir reparcourir mes champs. Ah oui, là, il faudrait que je me téléporte en fait. Et donc, j'ai pas de téléporteur ici, on est d'accord? Un 26 jours, il faudrait que je m'en achète un. Il me reste pas de cœur de téléporteur dans mon vaisseau. Faut que je vérifie. On sait que t'en as plein, hein, petit Seb. Moi j'en Moi, ai je me 10 non, vérifie. si t'en as besoin. Ah non, j'ai aucun cœur de téléporteur. Je suis le clodo du goût. On en était convaincu, mais là, c'est vraiment confirmé. J'ai pas grand chose en fait. Je vis avec des moyens modestes dans l'espace, moi. Je suis un humble agriculteur. En robe de mariée, certes, mais humble. Message de FunFan, 1992. J'ai regardé le match de rugby, la France, elle a gagné. Comme d'habitude, France versus Nouvelle-Zélande. C'est des beaux matchs, même si je comprendrai jamais les règles du rugby. Ah, c'est bien, FunFan qui dit qu'il a supporté l'équipe nationale de rugby hier soir devant son écran. Et que les Français ont gagné contre les All Blacks. Ouais, ça c'est Légendaire de cool. Nouvelle-Zélande. Bah, j'ai connu, enfin, j'ai une connaissance qui est fan, mais alors fan absolu de rugby. Et je pense qu'il a pas boudé son plaisir hier soir devant l'écran. Salutations à lui, pour peu qu'il se reconnaisse. Tu joues avec ton petit arc, moi j'ai un lance-roquette. Du coup, j'ai fini mon métro. Moi, ma portion principale. Ah, bah oui, il fallait que j'y retourne pour. Oui, mais il peut plus. Merde. J'espère au moins que mes champs sont irrigués. Oui. Pardon. Alors, est-ce que la nacelle du métro est revenue, oui ou non? J'espère que oui. Bon, je vais aller pêcher des monstruosités dans Dredge. Très bon petit jeu. Ah bah bon jeu à toi, là, Jed. Merde, la nacelle n'est pas revenue. C'est-à-dire que mon corridor est trop long. Ah merde. Ah, ça c'est dommage. Ah ouais, je suis obligé de courir quand même à moitié. Ah, ça va, c'est encore confortable, mais ça casse un peu le luxe d'avoir un métro. Ah, un document qu'on n'avait pas. Oui, bonne suggestion d'ailleurs, Ruster. Si tu penses faire une vidéo de démonstration du jeu, là, Jed, faudra que j'aille reflâner sur ta chaîne d'ailleurs. Ça m'a traversé l'esprit cette semaine, mais j'ai pas le temps. Il y a la chaîne de la Jet que je vais aller voir, et celle de Pipipaf. Puisqu'il avait fait The Forest en compagnie de Bastos, Bam Bastos, que je salue également. Ah, la Jet qui répond à Aeroster, franchement j'y songe, entre parenthèses, à faire une vidéo de présentation du jeu, vu qu'il y a une histoire. Ah, cool. Cool. Je dors dans les fouilles. Ouais, j'attends la croissance sous forme adulte de mes petits taureaux de lave là. Taureaux de feu. Ouais, je vais les appeler comme ça, les taureaux de feu. Les taureaux flamboyants. Je me souviens qu'ils avaient des belles cornes quand ils étaient à l'âge adulte. Tu vois, tu devais partir à midi, moi on m'appelle pour manger, c'est midi. Ah bon, bah on va arrêter. Bah, c'est pas plus mal, ça fait un grand suspense, un grand Moi ça me fait événement. chier, ouais. Par mais non, par Ça me fait épisode. chier.
Ça fait du plaisir. Mais réjouis-toi, on se retrouve samedi prochain. Samedi prochain, moi je serai là. Le samedi d'après que t'es pas là, c'est ça? Non, c'est le dernier. Ah oui, non, si t'as raison, vu la date, oui, c'est vrai qu'on est déjà le 9 septembre. Oui, c'est le 23 septembre que je suis pas là. Du tout de la journée, ouais. Allez, le roi t'es mort. La créature de merde qui a été invoquée avec. T'es morte. Là, je suis en train de refaire une base glitch parce qu'il y a un objet que j'ai pas scanné, c'est celui que le poisson me demande. Forcément, sinon c'est pas drôle. Ah bah ça va nous faire un beau titre, enfin du moins pour moi la semaine prochaine. Allons-nous atteindre la limite de la galaxie Starbound? Ça c'est stylé. Attends, j'essaie de... Voilà. Oh! Mon Dieu! J'avais pas regardé mon écran et finalement ils sont devenus adultes devant moi. Oh la vache! Je regardais, pour tout vous avouer, mon téléphone. Parce que je suis en attente de messages par rapport à l'organisation de mon week-end. Et oh là là, les taureaux flamboyants qui viennent de prendre leur taille adulte sous mes yeux. Ah! J'apporterai l'élément manquant la semaine prochaine. Oh! Un craft que je viens de trouver que j'ai déjà, donc je vais pouvoir le filer au sage. Oh. Après tout, chez Gépigeaude. Et je ne trouve pas ce que je veux. Alors, tu veux me refiler ça maintenant ou samedi prochain, au prochain épisode? Bon, c'est comme tu veux. Si tu veux, tu peux te taper à moi pour le récupérer. C'est parti. D'abord ton vaisseau. En plus, ça me permet de saluer symboliquement ton mécano que j'adore, que toi tu n'aimes plus. Et je me téléporte à côté de toi. Vive les voyages intersidéraux! Qu'est-ce que tu fais dans une. Ah oui, t'es dans la balle de viche, c'est vrai. Oula, c'est qui lui? Oh merde, il est tombé dans le piège. Oh. Bref, tu voulais me donner. Ah oui, attends, je recule un peu pour être sûr. Tiens, un bouquin qu'on n'avait pas et Oh. un craft que moi j'ai déjà. Mais si, monsieur. Kizako, ça m'intrigue ton schéma. Oh, oui, j'ai appris. Oh! Voodoo-doo. Tellement de choses étranges et mystérieuses dans l'univers. Merci, petit Cheb. Je repars dans mon vaisseau. Alors, et les petits taureaux flamboyants sont là-bas et on va se quitter sur l'image des taureaux flamboyants. Évidemment. Et oui, ce sont eux qui vont nous donner finalement symboliquement la clé, en quelque sorte, de la limite de l'univers de Starbound. Suite au prochain épisode. Ah, oh, j'adore le suspense, il est trop bien. Moi, j'aime pas le suspense, c'est ça qui me fait Oh, chier. il est impatient, le vilain. Mais encore beau GG à toi, franchement, comment t'as fait? T'as mis une raclée en une seule fois au Kraken de l'espace, le boss du jeu final. Ah, c'est là où la semaine prochaine on découvre qu'il y a une menace encore plus grande que le Kraken de l'espace et qu'il y a un true last boss, comme on dit dans les jeux vidéo en anglais, là. Un véritable boss final dont il faut faire un truc spécial pour le déclencher. Ah, ce serait trop énorme.
Ah là là. Mais c'est vrai qu'on a encore pas mal de questions en suspens hein, par rapport à Starbound. Et moi, celle qui me bouffe le plus, c'est qui ce mec qui se planque sous la station intergalactique avec le masque de Kabuki, là, de théâtre japonais. Quelle est l'histoire de ce mec? Il y a obligatoirement une quête liée à ce gars. Se rappeler aussi qu'on a la pierre de Rosette maintenant, grâce à toi, petit Seb. On peut traduire tous les textes de l'univers. À nous les connaissances intergalactiques. En plus, on connaît le gardien de la plus grande bibliothèque de l'univers aussi. La plus grande base de données et de connaissances. C'est énorme! C'est magnifique! Ah là là, poésie de l'univers. J'arrive pas à trouver ce que je veux dans ces foutus châteaux glitch. La petite château glitch. Bah. Encore un coup. Bah. Bon, bah moi je vais vous abandonner là. Encore merci petit Seb de m'avoir accompagné. Compris. Merci bah Bon. Fun Fan pour la modération et puis les 3 abonnements offerts, merci tout plein. Touc, voilà, je quitte le jeu. Comme j'ai pas de webcam aujourd'hui, il faut que je vous mette le tableau mystère et encore c'est dégueu parce que j'ai pas prévu de cache, vous voyez, au niveau de l'absence de. Et de Winamp d'ailleurs. Pourquoi il s'est pas affiché Winamp? Ah bah bravo. En fait j'ai tout qui est pété, j'avais pas vu, mais. Vous avez dû avoir une interface dégueu ce matin, je suis désolé. Ah non, oui non, puis il est pas pris dans le. Oh, j'ai des bugs dans mon OBS maintenant. Aïe 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 aïe, rien ne va plus. Ah oui, ou alors je vous mets mon voilà mon bureau. Ça fait idiot. Oh mon Dieu. Oui, bah, je peux garder Starbound comme catégorie puisque je reprendrai mon direct, mes directs samedi prochain en ta compagnie, toujours sur le même jeu. Donc, il n'y a rien à changer. Enfin, juste que je change la date et le titre. Ce sera facile pour moi. Bon, allez, symboliquement, qu'est-ce que je fais? Je te fais un relais de chaîne et tu t'en fais un juste derrière, petit Seb. Ou est-ce que je fais un petit relais de chaîne à Momoka? Parce que je crois que Momoka diffuse actuellement. On va faire un relais à Momoka. Ouais, on va dire bonjour à Momoka. Bon, allez, je vais lancer mon navigateur et dire bonjour à Momoka. Alors, on va dire bonjour à Momoka. Momoka, où es-tu, te voilà? Ouais. Merci à vous toutes et toutes. Merci aussi pour l'appui, hein, Heroster en modération présence. Merci à tous ceux qui étaient là. Remerciements aussi pour la Jed, dont j'apprécie toujours la présence et puis le fait Momoka que n'est pas en live. dans les premières minutes, il soit atterré de ce que je dise ou ce que je sois en train de faire. Bon, ça me fait toujours délirer. Ah bah j'ai Boson. Boson 69. Oui, déjà. Ouais, je vais aller voir le petit boson. Sephora. Ah bah il vient de lancer. Oh pardon, vous avez entendu une pub. C'est scandaleux. Alors, boson 69. Vite que j'ai accès à mon chat. Boson 69, Red. La 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 la. Bah. Voilà. Et de mon côté, c'est pareil. Red Shubo 39. Merci Torota Merci pour à ta tout le monde. présence et l'appui aussi en modération. Pardon, j'avais oublié de te nommer. Merci, merci. Tu vois, t'es tellement Et moi, discrète c'est parti. Torota que j'allais zapper. Pardon. Allez, bisous, prenez soin de vous. Bon week-end, bonne semaine par avance. Et puis voilà, samedi prochain pour toujours du Starbound. C'est tellement poétique. Ciao, ciao, Zoubi. Et merci des anonymes qui me regardent aussi en rediff sur YouTube. Merci tout plein. Je tweak.